God has given us the grace to do this job. Pour toutes les années que Dieu nous a donné la grâce de faire ce travail. This is the big challenging job. Ce travail est très défiant. And I believe with those meetings, et je crois qu'avec ces réunions, God is gonna strengthen our families. Dieu va pouvoir rendre fort nos familles. So that when we go for those who don't live here, et comme quand nous allons pouvoir aller pour ceux-là qui ne vivent pas ici, you will take it also to your respective churches and communities. Et vous allez pouvoir ramener cela dans vos communautés et églises respectives. Let us stand for a word of prayer. Tenons-nous debout pour une parole de prière. Dear Heavenly Father, cher Père Céleste, we want to thank you for the privilege and opportunity you have given to us. Nous voulons te remercier pour les privilèges et l'opportunité que tu nous as accordés. To be married. Pour être marié. And to serve you. Et te servir. In such a blessed capacity. Dans une telle et bénie capacité. For the time being, Lord. Pour le temps, et Seigneur. We want to leave these few words. We want to share with your people. Nous voulons vivre. Nous voulons partager ce peu de paroles avec ton peuple. Come, Lord, and anoint our mouth and lips. Viens et oint nos bouches et nos lèvres. And anoint also every couple, every person represented here. Et oint aussi chaque couple, chaque personne présente ici. And in your grace and mercy, et dans ta grâce et dans ta miséricorde, where there are some troubles in marriage, là où il y a des troubles dans le mariage, you are the one who said what man, what God has put together. Et tu es celui qui a dit que ce que Dieu a lié ensemble, let no man put it asunder. Et que personne ne puisse les séparer. For one or another reason, pour une raison ou une autre, our people who have such difficulties, nos gens qui ont une telle difficulté, those who are being tempted to go that route also, ceux-là qui ont été tentés de prendre cette voie-là aussi, we are praying as the body of Christ, nous prions au corps de Christ, you the God of restoration, toi le Dieu de la restauration, to restore any marriage in difficulty, de pouvoir restaurer tout mariage en difficulté, wherever these few words will be getting to the people, n'importe où ces peu de paroles peuvent aller vers les gens, let the husband and the wife come back to your word, laisse que l'homme et l'épouse puissent retourner à ta parole, to come to their first initial love, pour retourner à leur amour initial et premier, and realize that everything that has been taken place, et réaliser que chaque chose qui s'est passée, it was not the fault of anyone, n'était pas la faute de quelqu'un. It was the enemy. C'était l'ennemi. And we are here, Father, et nous sommes ici, Père, to challenge the devil, pour défier le diable. Bless our gathering tonight. Bénis notre rassemblement de ce soir. In Jesus Christ's name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. As you are still standing, alors que vous vous tenez encore debout, we are going to read the word of God. Nous allons lire la parole de Dieu. We are going to take very short reading. Nous allons prendre une petite lecture. 1 Timothy chapter 6. Dans 1 Timothée chapitre 6. I heard Brother Ben speaking last night. J'ai entendu Frère Ben prêcher la nuit dernière. I heard Pastor Mathieu preaching this morning. J'ai entendu Pasteur Mathieu prêcher ce matin. Some of the comments were about money. Certains commentaires étaient au sujet de l'argent. That's the cause of a lot of difficulties. C'est la cause de beaucoup de difficultés. I like money. Moi, j'aime l'argent.
Who doesn't like money? Qui n'aime pas l'argent ici? Everybody like money. Tout le monde aime l'argent. It's a very important tool for our life. C'est un instrument important pour notre vie. But if we don't control it, mais si nous ne le contrôlons pas, and let the money control us, et laisser l'argent nous contrôler, that's the cause of every evil. C'est la cause de tout le mal. You know, in America today, they are talking about gun control law. Vous savez, ici en Amérique, on parle de comment contrôler les armes. Here, I'm going to talk about how to control money. Ici, je vais parler comment contrôler, gérer l'argent. So that the couple cannot be put asunder because of money. Comme ça, les couples ne vont pas se séparer juste à cause de l'argent. And this is what Paul is telling us in 1 Timothy chapter 6. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6. Verset 10. 1 Timothy chapter 6, verse 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. I'm not gonna read the whole verse. Je ne vais pas lire tout le verset. Just a piece. Juste une portion. For the love of money is the root of all evil. Car c'est une racine de tous les maux que l'amour de l'argent. May the Lord add a blessing to the reading of the scripture. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. The love of money. L'amour de l'argent. Is the root of all evil. C'est la racine de tous les maux. If there is a war, s'il y a une guerre, the main cause, la cause principale, is money. C'est l'argent. If there are difficulties, s'il y a des difficultés, most of the time, plusieurs fois, the cause is money. Très souvent, la cause c'est l'argent. And Satan targeting Satan, our families, qui cible nos familles, he will set our family into difficulties with money. Il va mettre nos familles dans des difficultés à cause de l'argent. You know, in my office, vous savez, dans mon bureau, I receive a lot of couples, je reçois beaucoup de couples, and very, very often, et très, très souvent, I turn to be counseling them. Je suis obligé de le conseiller. Because of the tax refund money. Parce à cause de l'argent qu'on rembourse pour le taxe, les impôts. And I think some of our family here have gone through that experience. Et je crois que certains de nos familles ici sont passés par cette expérience. This time I'm the one who's gonna take it. Ce temps ici, c'est moi qui va récupérer l'argent. Because I'm the one who manage the family things. Parce que c'est moi qui ai managé à gérer beaucoup de choses dans la famille. And I pay for the food, I do this, I do this. J'ai payé pour la nourriture, j'ai fait ceci, cela. Last time you took the tax refund. La dernière fois, tu as pris l'argent qu'on t'avait donné. You never even told me what you did with it. Et tu m'as même pas dit ce que tu as fait avec cet argent. This time. Ce moment ici, this ce time, temps ici. Ce temps ici. And this time. Ce temps ici, c'est le temps. And the family is set on fire. Et la famille est mise en feu. But. Mais. If we could be wise enough, si nous pouvons être très sages, when you see a conversation starting like that, quand vous voyez la conversation commencer comme cela, to know that we are inches away from the devil, sachant que nous sommes au bord d'entrée dans les camps de l'ennemi, to control us, pour nous contrôler, if we don't realize it, et si nous ne réalisons pas cela, it's gonna be too late, ça sera trop tard. So if there are crimes, alors s'il y a des crimes, if there are divorces, s'il y a des divorces, if there are wars, s'il y a même des guerres, the main cause is always money. La cause principale a toujours été l'argent. And Paul, et Paul has told us, nous a dit, the love of money, l'amour de l'argent, is the root cause of all evil. C'est la racine de toutes sortes de maux. And when they talk about root, et quand on parle de la racine, you know, it's a root. Vous savez, c'est la racine. Out of a root, hors de cette racine, we have a tree. Nous avons un arbre. From the tree, de cet arbre, we have branches. Nous avons des branches. And from branches, des branches, we have fruit. Nous avons des fruits. We have leaves. Nous avons des feuilles. But, mais, in order to, when you see all of the things, pour voir, quand, no, nous, voyons toutes ces choses, quand things, nous voyons toutes ces choses, remember, rappelez-vous, there is a root. Il y a une racine quelque part.
So in our families, alors dans nos familles, in our marriage, dans nos mariages, whenever you see conflict here, argument here, and everything, quand vous voyez des conflits ici, des disputes ici, toutes sortes de choses, try to go to the root. Essayez de rentrer à la racine. And I'm going to address one of the aspects. Et je vais parler de l'un des aspects. Is money. C'est l'argent. You know, I'm not as Brother Ben said last night. Je n'ai pas comme mon frère Ben a parlé la nuit dernière. I'm not preaching. Je ne prêche pas. I'm talking. Je ne fais que parler. That was a nice story I heard from Pastor Ndaye. C'était vraiment une histoire merveilleuse que j'ai entendue de Pasteur Ndaye. He has a young boy. Il a un petit garçon. 4 years. De 4 ans. And when they ask him, et quand on lui pose la question, what does daddy do in the church? Qu'est-ce que papa fait dans l'église? Oh, he play the piano. Alors il joue au synthétiseur. What about this person? What does he do? Qu'en est-il de l'autre personne? Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Oh, this one does this. Oh, celui-là fait ceci. But they ask him. Mais quand on pose la question, what does grandpa do? Qu'est-ce que le grand-père fait? Referring to Pastor Ndaye. Se référant à Pasteur Ndaye. The young boy said. Le petit garçon a dit. Il bavarde. He just talks too much. Il bavarde, puis il boit de l'eau. He just talks too much, and then after a while, he drinks water. So I'm just going to talk. Je ne veux que parler. And then I'm gonna drink water. Et je vais prendre mon eau. But. Mais. You. Mais vous. Read between the lines. Lisez entre les lignes. I have no solution. Je n'ai pas de solution. But I'm stirring up the problems. Je ne fais que remuer le problème. To make you aware. Pour vous rendre conscient. There is a root cause somewhere. Qu'il y a une racine quelque part. So I'm going with a PowerPoint presentation. Je vais avec une présentation. First slide. La première présentation. This is the subject. C'est le sujet. Money and finances in marriage. L'argent et les finances dans le mariage. That's what I'm going to make noise and drink water. C'est sur ce point que je vais faire beaucoup de bruit et prendre un peu d'eau. Next slide. Question. How money should be managed in marriage? Comment l'argent devrait être géré dans un mariage? How to solve money problems in marriage? Comment résoudre le problème de l'argent dans un mariage? Either you like or you don't like. Que vous le vouliez ou pas. In every couple. Dans chaque couple. There are always arguments about money. Il y a toujours des disputes concernant l'argent. I'm not going to ask who don't have because all we do. Je ne vais pas poser des questions à qui que ce soit qui n'a pas de problème de l'argent dans des mariages, parce que nous tous, nous avons ce problème. I'm moving toward 40 years of marriage. Je vais presque à 40 ans de mariage. With my wife. Avec ma femme. We argue about money. Nous nous disputons toujours sur l'argent. And what I wanted to understand. C'est que je voulais comprendre. You have to know your couple. Tu dois connaître votre couple. Because God has created us differently. Parce que Dieu nous a créés différemment. And I'm going to tell you up front. Et je vais vous dire en face. In every couple. Dans chaque couple. There is a spender. Il y a celui qui dépense beaucoup. And a saver. Et c'est lui qui épargne aussi beaucoup. Ah, it seems like I hit the point. Ah, il semble que j'ai touché au point. Là où this ça fait is mal. One of the reasons. C'est l'une des raisons. We need to know. Nous devons savoir. Going to the root. Rentrer à la racine. How she is. Comment elle est. And how I am. Et comment je suis. And try to find a balance. Et trouver un équilibre. I have no answer to show you where is. The balance. Je n'ai pas de réponse à vous donner où se trouve l'équilibre. It's not like in math or in economy where this curve goes this, where they meet the point of intersection, that's it. Ce n'est pas comme en mathématiques, il y a un graphe où on va vous montrer, il y a deux points d'intersection, ainsi de suite. But here we are in the word of God. Mais ici, nous sommes dans la parole de Dieu. You don't see the point of intersection. Vous ne voyez pas de point d'intersection. But there is an intersection point. Mais il y a un point où vous vous rencontrez. Is that right? Est-ce correct? So, how to solve money problems
in marriage. Comment résoudre le problème de l'argent dans le mariage? Also remember this. Alors rappelez-vous aussi what Brother Branham said. Ce que Frère Branham a dit. Next slide. Prochaine présentation. Marriage is always uncertain. Le mariage est toujours incertain. The American home today is uncertain. La famille américaine aujourd'hui est incertaine. A man marrying a wife, un homme qui épouse une femme, it's sure is a problem. C'est vraiment un problème. Certainly it is. Certainement un problème. Or a woman marrying a man, ou un homme qui marie une femme, it's certainly an uncertain thing. C'est quelque chose d'incertain. They got even in the marriage ceremony now. Ils viennent même à la cérémonie du mariage. I take him for better or worse. Je le prends pour les meilleurs et pour les pires. There is a question on it. Il y a une question sur cela. Uncertain. C'est incertain. Because if it was something certain, parce que si c'était tellement certain, we will change the marriage vow. Nous allons changer le vœu du mariage. I take you only for the better. Je te prends que quand les choses vont de mieux. Another couple will be married. I will marry you only when it's worse. Ou l'autre couple va prendre, je te marie seulement quand cela va en pire. But that's not the marriage vow. Mais ça, ce n'est pas le vœu de mariage. Marriage vow. Le vœu de mariage. Stressing out uncertainty. Insiste sur l'incertitude. I take you for better or for worse. Je te prends pour les meilleurs et pour les pires. I don't know what tomorrow will have. Je ne sais pas ce qui renferme le lendemain. I don't. You don't know et either. Et toi-même, tu ne le sais pas. Even the pastor marrying us même doesn't know. Même le pasteur qui nous marie ne connaît même pas. Even Branham marrying couple, he did not know. Même Branham lui-même, quand il mariait le couple, il ne savait même That's pas. That's why I put a big question mark. Voilà pourquoi il y a une question. We have seen also some couples. Nous avons vu certains couples. They get married today. Ils se marient aujourd'hui. Few months. Quelques mois après. One of them is gone. L'un d'entre eux part, s'en va. Oh, I mean, die. Je veux dire, il meurt. Nobody could foresee that unfortunate thing. Personne ne pouvait voir cette chose malheureuse. It's uncertain. C'est tellement incertain. In every aspect. Dans tous les aspects. You can marry somebody today. Vous pouvez marier quelqu'un aujourd'hui. Because he has a lot of money. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Tomorrow. Et demain. Because of uncertainty. À cause de cette incertitude. He is broke. Il devient fauché. You marry somebody today. Vous mariez quelqu'un aujourd'hui. He has nothing. Il n'a rien. Tomorrow. Et demain. You start scratching your head. Vous commencez à gratter votre tête. If I knew. Si seulement je savais. Uncertain. L'incertitude. And most of the people here, et plusieurs personnes, beaucoup de personnes ici, there are not many couple I see here who were married before they get to America. Il n'y a pas beaucoup de couples que je vois ici qui se sont mariés avant de venir en Amérique. Most of the people here have been married here. La plupart des gens ici se sont mariés ici en Amérique. But mais, I had somebody mais j'avais quelqu'un from the Congolese community, de la communauté congolaise. He is not a message believer, il n'est pas un croyant du message. But most of the time he was coming to talk to me for advice. Mais la plupart des temps il venait me parler, me demander des conseils. And one day he gave me a statement. Il m'a fait une déclaration. Pastor. Amérique. Is the cemetery of marriages. C'est le cimetière des mariages. You the people who are married here. Vous les gens qui sont mariés ici. You don't understand the difference between the marriage life outside of America and the marriage life inside of America. Vous ne comprenez pas la différence qu'il y a entre le mariage avant, en dehors de l'Amérique, et le mariage dans l'Amérique. Outside of America. Hors de l'Amérique. Very often in marriage, très souvent dans les mariages, in couples, dans les couples, you will notice it's always the man who does everything. He works, he do this and take care of the family. Vous allez voir que c'est l'homme qui fait tout, il fait tout le travail, il prend soin de la famille. And the law of the country, et la loi du pays, they give more power to the man. On donne beaucoup plus de puissance à l'homme. I was telling some of my
co-worker in the past. Je disais à mes co-ouvriers dans le passé. I say in Africa. Je disais en Afrique. You can even beat your wife on the street. Vous pouvez même frapper votre femme sur la route. And the police come. Et la police vient. And you tell him get out here. Et tu lui dis sors d'ici. It's a matter of love. C'est une affaire d'amour. And the police will go. Et la police va partir. But here. Mais ici. It's different. C'est différent. So, in a certain way. D'une certaine manière. In Africa. En Afrique. The life of couple is a little bit different. La vie de couple est un peu différente. When you come here, quand vous venez ici, with the law, avec la loi, you cannot even raise the tone of your wife, a voice to your wife. Tu ne peux pas lever votre voix contre votre femme. And if you say something, et si vous dites quelque chose, and the wife just called the police, et la femme n'appelle la police, the police has not a lot of questions. La police ne posera pas beaucoup de questions. You know what happened. Vous savez ce qui arrive souvent. So the short story from my friend. Alors une histoire courte de mon ami. He told me. Il m'a dit. Pasteur. Amérique. L'Amérique. Est un cimetière y a ba mariage. It's a cemetery of marriages. People were married. They were good relationship. Les gens qui étaient mariés étaient dans une bonne relation. They come to America. Ils viennent en Amérique. The language change. Le langage change. Because the wife have access to money. Parce que la femme a maintenant l'accès à l'argent. She can do her own job. Elle peut faire son propre travail. And even if she doesn't want to work. Et même si elle ne veut pas travailler. You are gonna be forced to pay child support. Vous allez être forcé à payer les frais des enfants. So she can still live. A better life. Alors elle va vivre une vie meilleure. And this is not for Christians. Ça ce n'est pas pour les chrétiens. And I'm trying to stress out this demon. Et j'essaie d'insister contre ce démon. Next slide. La prochaine présentation. That's where I choose the cemetery of marriage. C'est là que j'ai choisi le cimetière de mariage. Oh, where is faith? You see, there is a cemetery. Vous voyez, il y a une cimetière. One for husband, another one for wife. L'un, une tombe pour le mari et l'autre pour la femme. And Branham has told us. Et Frère Branham nous a dit. That U.S. is number one in divorce. Les États-Unis c'est le numéro un quand il s'agit des divorces. And in that message, et dans ce message, he said, il dit, it's the darkest hour that the family ever seen. C'est l'âge la plus sombre que la famille a jamais vu. Look at the families broke up. Regardez la famille qui se brise. There is more divorces in America alone. Et il y a plus de divorces en Amérique seule. Than there is in the whole rest of the world put together. Plus qu'il y a dans les restes du monde mis ensemble. Do you believe the prophet? Croyez-vous le prophète? So take the number of divorces in the world. Alors prenez le nombre de divorces dans le monde entier. Add them up. Ajoutez-le. Compared to the number of divorces in America, comparé au nombre de divorces ici en Amérique, America is still leading. L'Amérique est toujours au-dessus de tout le monde. That means marriage life in America. Ça veut dire que le mariage, la vie de mariage en Amérique. People get married in the morning. Les gens se marient le matin. And they divorce in the evening. Et ils se divorcent le soir. And the next day they can also marry again. Et les jours prochains, ils peuvent encore se remarier. And this is the darkest age. C'est l'âge le plus sombre. If statistics can go down, si les statistiques peuvent diminuer, it's because people have come to understand. Mais c'est parce que les gens sont arrivés à comprendre that we don't need marriage. Que nous n'avons pas besoin de nous marier. We can live as men and women. Nous pouvons vivre comme petit ami ou homme et femme without being married. Sans être mariés. And this way, it's going to give us less stress. Et c'est à cette manière-là, nous aurons moins de stress. That's why you see the statistic coming down. Voilà pourquoi vous voyez même les statistiques diminuent. But mais in our message, mais dans notre message, we cannot live that kind of nous life. Nous pouvons pas vivre ce genre de vie. We are forced to live together. Nous sommes forcés à vivre ensemble. But look at where the demon has found a hole. Mais regardez comment le démon a trouvé une brèche. It's starting with us pastors. Ça commence avec nous les pasteurs.
telling the people, disant aux gens, it was not a vow. Que ce n'était pas un vrai vœu. That's how we start seeing the number of divorces. Et c'est voilà pourquoi nous commençons à voir les nombres de divorces growing up in the message community. Augmenter même dans la communauté du message. But in the beginning, when we received this message, mais au commencement, quand nous avons reçu ce message, the option of divorce was not. L'option même du divorce ne sautait même pas dans la bouche. And let me tell you, at that time, mais laissez-moi vous dire, à ce temps-là, we had less knowledge of Brother Branham's message. Nous avions moins de connaissances du message de Frère Branham. But today, mais aujourd'hui, with more knowledge, avec plus de connaissances, we believe the way we are. Nous vivons de la manière dont nous sommes. And you see pastors. Et vous voyez des pasteurs. Oh brother, you are good. Oh frère, tu es bon. You are free. Tu es libre. Find another wife. Trouve une autre femme. I, moi, as the pastor, le pasteur, I authorize you. Je t'autorise. You can marry another tu one. Tu peux te remarier. I'm telling you, brother. Je vous dis, frère. You, toi, with your pastor, avec ton pasteur, your next stop, votre dernière destination, will be hell. Sera l'enfer. Because we know what Brother Branham told us. Parce que nous savons ce que Frère Branham nous a dit. During all his ministry, pendant tout son ministère, he suffered. Il a souffert. Because he has a friend. Parce qu'il avait des amis. Coming to him. Qui venaient à lui. Brother Branham. Frère Branham. Brother Branham. Frère Branham. We heard the message. Nous avons entendu le message. You said the other day. Tu as dit l'autre jour. That you cannot live with a wife with another living spouse somewhere. Je ne peux pas vivre avec une femme qui a un autre mari en vie quelque part. This is my condition. C'est ma condition. What shall I do? Qu'est-ce que je dois faire? What shall I do? Qu'est-ce que je dois faire? Brother Branham told them wait. Frère Branham leur a dit attendez. And he had to intercede. Il devait aller intercéder and pour God eux. Gave him the forgiveness for this generation. Et Dieu lui a donné le pardon pour cette génération. And that was vindicated on Tucson. Et cela a été confirmé à Tucson. And when he gave that message, quand il a donné ce message, what did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? Go live the way you are. Allez vivre de la manière dont vous vivez. But don't do it again. Mais ne le faites plus. Teach your children. Enseignez maintenant à vos enfants. Not to live this de way. Ne plus vivre de cette manière. If si Branham is gone. Si Branham est parti. And you still allow people to do those things. Et vous permettez aux gens de faire ces choses. Where the forgiveness is gonna come from? Où est-ce que le pardon viendra? And where the forgiveness stops? Et là où le pardon s'arrête? The next step is judgment. La dernière position, étape, c'est le jugement. So brother, you must be responsible for your own soul. Frère, vous devez être responsable pour votre propre âme. You have to read the message yourself. Vous devez lire le message vous-même. If I turn crazy one day, si je deviens fou un jour, and I tell you it's okay, you can find and somebody else et get married. Et je vous dis, vous pouvez aller prendre quelqu'un d'autre et se marier. Please help me. S'il vous plaît. Get back online. Aidez-moi à retourner dans la ligne. And yourself stay et in line. Et vous-même restez sur la ligne. And Branham continues. Et Frère Branham continue. There is more divorces in America alone. Il y a plus de divorces en Amérique seule. Than there is in the whole rest of the world put together. Il y a plus dans le monde entier. Divorce on the rampage. Le divorce est en augmentation. Fait rage. Where is the honesty? Où est la partie de l'honnêteté? And the sincerity. Et la sincérité. And the womanhood. Et la féminité. Of our American woman gone too. De nos femmes américaines. Today the American women they take things easier. Aujourd'hui, les femmes américaines prennent les choses à la légère. I will take you to court. Oh, je vais t'amener à la cour. I'm gonna take you to court. Je vais t'amener à la cour. You are gonna pay child support. Tu vas payer le frais pour les enfants. And you will see. Et tu vas voir. You will see. Et tu vas verras. Yeah, you will get child support. Et tu auras cet argent. You will get everything. Et tu auras tout ça. All the tax refund will come to you. Tout l'argent que l'État rembourse viendra but à toi. One day. Mais un jour. Judgment is waiting for you. Le jugement t'attend. So that was just my introduction. C'était juste mon introduction. And I'm gonna add maybe one more slice in this introduction and then touch the topic. Et je vais ajouter une autre présentation ou deux et puis je vais toucher au sujet. Next slide, please. This slide, this is my roadmap for many months. C'est mon plan pour plusieurs mois.
Top reasons of divorces or problems in marriage. Les raisons principales de divorce ou de problèmes dans le mariage. For the local church here. Pour l'église locale ici. For the few months, we covered already the first three topics. Pour les mois passés, on a déjà pris les deux premiers points. We talked one time about the lack of transparency. Nous avons parlé une fois manque de transparence. Sexual relationship. Les relations sexuelles. Because if in the bedroom it doesn't work. Parce que si sur les lits ça ne marche pas. It's not going to work. Ça ne va pas marcher du tout. You see people, husband and wife, fighting. Vous voyez mari et femme se battre. When you ask what's going on. Quand vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Ask him. À poser lui-même la When question. You ask him, quand tu vas poser à l'homme, ask her. Oh non, reviens à elle. They make you turn around. On vous fait tourner en cirque. Because nobody want to talk. Parce que personne ne veut dire la vérité. But from experience, et de mon expérience, you just jump and say, over there, does it work? Vous sautez à la chose et vous posez la question là-bas sur le lit, ça fonctionne? Then you read from the eyes. Alors vous lisez dans leurs yeux. If it's not working, si ça ne marche pas, the one who is very, very embarrassed or weak is gonna look down. La personne qui est vraiment embarrassée, lui, il va regarder, il ne va pas vous regarder dans les yeux. Next, the last meeting we talked about communication, right, in relationship. Et la dernière réunion, nous avons parlé de communication dans les relations. So I was not really expecting to talk during this special meeting. Je m'attendais pas vraiment à parler pendant ces réunions. But circumstances has been made so. Mais les circonstances ont permis que ça soit ainsi. So let me talk to you about the fourth point. Moi, je vais vous parler maintenant de ce quatrième point. Money and finances. L'argent et les finances. But regardless of the amount of money you have, frère, peu importe le nombre d'argent que vous avez, if you don't have God, si vous n'avez pas Dieu, money is gonna control you. L'argent va vous contrôler. Last year, l'année dernière, Bill and Melinda Gates divorced. Bill et Melinda Gates se sont divorcés. Bill Gates, one of the top billionaires, les grands milliardaires. After 27 years of marriage, après 27 ans de mariage, divorce. Ils se sont divorcés. So, ainsi, as we are sitting here with our spouse, comme nous sommes assis ici comme des épouses, financial trouble happen in every couple. Les troubles financiers arrivent dans chaque couple, regardless of the level of income. Peu importe le niveau de contribution ou de revenus. You have more. Vous avez plus. You will have more projects. Tu auras aussi beaucoup de projets. And there will be always a conflict between husband and wife. Il y aura toujours un petit conflit entre l'homme et la femme. You don't have it. Vous ne l'avez pas. Conflict. Il y a toujours des conflits. You don't expect to receive money. Vous n'attendez pas à recevoir de l'argent. And the government give a stimulus. Et le gouvernement vous donne un peu de bon. And the devil come to stimulate that conflict. Et le diable vient et pour augmenter même le conflit. Stimuler. Et stimuler le conflit. Stimulus. Stimulus. Stimule. Amen. Amen. All because of money. Tout ça, c'est tout autour de l'argent. So when they are talking, stimulus, watch families. Alors quand on parle de stimulus, observez, surveillez les familles. Who had some problem over stimulus? Qui ont eu des problèmes sur les stimulus? They do, but they don't want to. Ils le savent, mais ils ne veulent pas se prononcer. But you know what I'm talking. Mais vous savez exactement de quoi est-ce que je parle. Five kids. 5 enfants. 1400 each. 1400 chaque enfant. You know what it will do. Vous savez ce que ça veut faire. It can solve a lot of problems. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. But it will cause also a lot of problems. Mais ça va aussi causer beaucoup de problèmes. So next slide, please. La suivante présentation. Financial trouble regardless of income level. Troubles financiers peu importe le niveau de revenu. They are standing this one with some bills. Il se tient l'autre avec des factures. Look at the woman. Regarde même la face ou le regard de la femme. With all of this. Avec tout ça. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? And the man look et l'homme regarde faiblement.
Il ne sait rien dire. There is a bad language here in America. Il y a un mauvais langage ici en Amérique. No money. Ah! I didn't want to finish the sentence. Je ne voulais pas finir la phrase. To see your level of knowledge. Pour voir votre niveau de connaissance. No money. Pas d'argent. No honey. Pas de chérie. And you know the dollar bill. Go to the next slide. Vous savez la note là des dollars. You see in the back they wrote one. Vous savez là derrière ils ont écrit un dollar. One. Un. But they put H. Mais ils ont mis H. And they put Y at the end. Et ils ont mis Y à la fin. Money, honey. L'argent apporte aussi chérie. Hey. C'est vrai. No money, no honey. Pas d'argent, pas de chérie. And it's a shame to see that in our families. Ça fait honte de voir ça dans nos familles. If our sisters. Si nos sœurs. Sometimes you want to touch them. Vous voulez la toucher? I don't feel good. Ah, je me sens pas bien. Headache. Ah, j'ai des maux de tête. But that day. Mais cette chose. If you could sell something. Si tu pouvais seulement lui envoyer l'argent. Zélé lui envoyer par zèle. Ah. You will see how many times they will call you honey. Vous allez voir combien de fois elle va t'appeler chérie. Brother, it's not a language. It's the original. Ouais, vous savez, c'est l'origine. I search it. Je l'ai recherché. It's a language coming from the prostitute. C'est un langage qui vient des prostituées. Saying that. Disant. Anyway, it's a grown-up thing. C'est une réunion de couple, de gens matures. The prostitute use it. Les prostituées utilisent ça. Money in exchange just for sex. L'argent en échange du sexe. Today, aujourd'hui, the same language has grown up. Le même langage a évolué. To the extent, au point où, among even the Christian families, même parmi les familles chrétiennes, they continue to use it. On continue à l'utiliser. In a certain way. D'une certaine manière. No money, no honey. Pas d'argent, pas de chérie. The day you come with a new dress. Le jour où tu viendras avec une bonne robe. A lot of money. Beaucoup d'argent. Or there is a tax refund. Où il y a l'argent des taxes. Say honey. Je dis chérie. Take care of it. Prends soin de cela. I think I'm gonna do like if I did not have it. Moi, je vais faire comme si je n'avais rien. All the bump you have in your back. Toutes ces choses que vous avez sur votre. Les boutons que vous avez derrière. Les boutons que vous avez là derrière. Somebody is gonna press them. Quelqu'un va vous les soigner. Honey. Chérie. You did not see this, oh. Tu n'as pas vu ça, oh. Which is a shame. C'est une honte. That should be every day. Ça devrait être tous les jours. The more we grow in the message, plus nous grandissons dans le message, the more we become more responsible in our relationship. Plus nous devenons responsables dans nos because relations. Because the family, parce que la famille, is the backbone c'est of la colonne the nation, vertébrale d'une nation, the backbone of the church, la colonne vertébrale the backbone of the home, la colonne vertébrale d'une maison. But if we are going to copy after the world, mais si vous voulez toujours copier le monde, isn't it a shameful thing? N'est-ce pas une chose honteuse? Statistics of divorce. Les statistiques du divorce. A broken heart. Le cœur brisé, un cœur brisé. When people start dating, quand les gens commencent à se fréquenter, I don't know how they do. Ils mettent leurs doigts. Those who are married recently. Yeah. Ceux qui se sont mariés récemment, vous voyez? But, mais voyez, in pieces. Mais c'est maintenant en pièces. Now, maintenant. Those statistics. Ces statistiques. I didn't want to give a lot, but I just. Je ne voulais pas de beaucoup donner. Most of divorces happen in the first 10 years of marriage. Beaucoup de divorces arrivent le premier 10 ans de votre mariage. Who are married here less than 10 years? Raise up your qui hand. Qui sont mariés ici moins de 10 ans? It's almost the majority. C'est presque la majorité. Even if you pass the 10 years, même si vous dépassez ces 10 ans,
It doesn't mean it's a guarantee. Ça ne veut pas dire que c'est garanti pour vous. I have seen people divorce after 20 years. J'ai vu des gens se divorcer après 20 ans. 30 years. 30 ans. Even 40 years. Même 40 ans. For many reasons. Pour plusieurs raisons. Bill Gates. 27 years. Après 27 ans. So. Ainsi. In the first 10 years. Dans les premiers 10 ans. This is where the majority happens. C'est là où la majorité des divorces arrive. First time marriage. Les gens qui se sont mariés pour la première fois. Le premier mariage. The average percentage of divorce. La moyenne des divorces. 49%, almost 49%, 50%. Presque 50%. And then usually when people divorce. Et généralement quand les gens se divorcent. They go find a second marriage. Ils vont trouver le deuxième mariage. In the second marriage, dans leur deuxième mariage, the rate of divorce, le taux de divorce, is 62%. C'est 62%. The third marriage, le troisième mariage, the divorce, le taux de divorce, is at 73%. C'est à 73%. That means, ça veut dire, when you marry the first time, quand vous vous mariez la première fois, you will find a lot of mistake in your wife. Vous allez trouver beaucoup d'erreurs dans votre femme. A lot of mistake in your husband. Beaucoup de défauts dans votre mari. And the devil is going to advise you. Et le diable va vous conseiller. Get rid of this one. Débarrassez-vous de celui-là. Go get another one. Allez trouver une autre personne. Statistics show. Les statistiques démontrent. When you go to the second. Quand vous allez à votre deuxième mariage. The chances of divorces. Les chances pour vous de divorcer. Increased by 13%. Augmentent de 13%. You were hoping to find better. Vous souhaitiez trouver mieux ailleurs. But you find yourself in chaos. Mais vous vous trouvez misérable dans le chaos. And you go to the third option. Et vous allez à la troisième option. The chances goes or increase by another 13%. Et les chances augmentent encore pour un autre 13%. So the more you go, plus vous allez, the worse you are gonna be. Ben, pire vous allez y entrer. This is to tell you, brother, sister. C'est pour vous dire, frères et sœurs. Try to stay with the one you have. Essayez de rester avec la personne que vous avez. Don't you ever think you are gonna get better? Ne pensez pas que vous allez trouver mieux ailleurs. Because when God give you that relationship, parce que quand Dieu vous donne cette relation, it was the best he could think for you. C'était la meilleure des choses qu'il avait pensé pour vous. Certainly, certainement, she will have mistakes. Elle aura des défauts. Certainly, certainement, you will have also your mistakes. Tu auras aussi tes défauts. But what God has put together, mais ce que Dieu a uni, let no man put asunder. Que personne ne sépare. And this is the same way. C'est de la même manière. Sometimes it works in every aspect of our life. Quelquefois ça fonctionne comme ça dans plusieurs aspects de notre vie. The first thing you have, la première des choses que tu as, you will always criticize it. Tu vas toujours chercher à critiquer. Hoping that I'm gonna get better. Pensant trouver mieux. But when après, you move to what you think it's gonna quand be tu better, vas te déplacer à là où tu pensais trouver mieux, you will realize that, tu vas réaliser it was a mistake. Que c'était une grave erreur. But very often, mais très souvent, there is no way to go back. Il n'y a plus moyen de rentrer en arrière. So I want really to encourage you. J'aimerais vraiment vous encourager. Never let the thought of divorce cross your mind. Ne laissez aucune pensée de divorce traverser votre pensée. All the ups and downs you are going through. Tous vos hauts et vos bas que vous traversez. There is a way you can fix the problem and live better. Il y a toujours une solution et trouver mieux. Amen. Amen. And this also can be applicable to changing jobs. Ceci peut être appliqué quand il s'agit de changer le boulot. Changing churches. Changer des églises. Changing everything. Changer tout, changer. But God never made a statement. Dieu n'a jamais fait une déclaration. That when you get a job. Et quand vous avez un travail. Don't you change the job. Ne changez jamais le but travail. But when it was for marriage. Mais quand il s'agit du God mariage. Said, Dieu a dit. What God has put together. Ce que Dieu a uni. Let no man put a sin. Que personne ne se pare. So this is a high call. C'est vraiment un appel plus élevé. Then marriage. Qu'un mariage. Must mariage never be broken. Ne doit jamais être brisé. Regardless of the circumstances. Peu importe les circonstances. So let me get now in the material. Ainsi, laissez-moi entrer dans la matière. As I'm speaking about statistics. Comme je parle des statistiques. Next slide.
prochaine suivante présentation. Domestic violence cases. Des violences, des cas de violences domestiques. And the comment said. Et les commentaires disent. Financial abuse occurs in 99% of domestic. Les abus financiers arrivent à 99% dans des cas de violences domestiques. So that means most of the domestic violence cases. Ça veut dire souvent des cas de violences domestiques. Where husband has to fight où with la, the l'homme wife, et la femme doivent se battre, or whatever case, ou n'importe quel genre or de cas, just raise up the tone, ou juste élever la voix, it's coming from financial abuse. Ça vient de problèmes de l'abus financier. And I think this is where I will start the topic. C'est là ici que je vais commencer mon sujet. How to be aware and control our finances in marriage relationships. Comment être conscient et contrôler nos finances dans nos mariages? Because if we don't control our finances the correct way, parce que si nous ne contrôlons pas nos finances de la bonne manière, according to the word of God, selon la parole de Dieu, money is gonna control us, l'argent va nous contrôler, and it's gonna make our relationship suffer. Et ça va faire souffrir notre relation. You will say, oh no, there is no abuses, I never beat my wife and we never fight. Vous allez dire, il n'y a pas d'abus, je n'ai jamais touché à ma femme, je ne l'ai jamais frappé. But let me tell you some of the abuses. Il y a certains abus. In the marriage relationship, dans une relation de mariage, husband and wife, l'homme et la femme, supposed to live happy. Sont censés vivre heureux. And in some of our couples, et dans certains de nos couples, you can see people still living together, vous pouvez voir des gens qui vivent ensemble, but they are not happy. Mais ils ne sont pas heureux. Most of the cases, plusieurs, dans plusieurs de cas, it's around the money, c'est tout autour de l'argent, and with money, ou avec l'argent, and the finances, et les finances, there are a lot of abuses. Il y a beaucoup d'abus. A lot of abuses. Il y a beaucoup d'abus. Sometimes us, men, et souvent nous, les hommes, we abuse nous our abusons wife. Nos femmes. Especially. Spécialement. You are the pocket. Toi, tu es la poche. You have money. Tu as l'argent. And you think you can control direct things the way you want. Et tu penses que tu peux contrôler et diriger les choses de la manière que tu veux. And the wife is supposed to be submissive. Et la femme est supposée être soumise. You give the quote. Tu donnes la citation. It's wonderful. C'est merveilleux. But the poor woman. Mais la pauvre femme. She has no pocket. Elle n'a pas de poche. She cannot say much. Elle ne peut pas beaucoup dire. But let me tell you this day. Mais laissez-moi vous dire ces choses. What you don't know. C'est que vous ne savez pas. She is suffering in the heart. Elle souffre dans son cœur. Either she shows it to you. Soit elle vous le montre. Either she doesn't show. Soit elle ne montre pas. But she is a victim of financial abuses. Mais elle est victime des abus financiers. Est-ce que je me fais comprendre? Do I make myself clear? She can be there. Oh, my wife is very obedient, very submissive. Il peut être là. Moi, ma femme est vraiment soumise. Elle est obéissante. She never called the police. Elle n'a jamais appelé la police. I do this, I do this. Je fais ceci, je fais cela. But let me tell you. Mais laissez-moi vous dire. If you could read what is in her heart. Si vous pouvez seulement lire ce qui est sur son cœur. Maybe you will realize. Peut-être vous allez réaliser. That calling the police could be better. Appeler même la police. Ça aurait été mieux. But if she cannot call the police, mais si elle ne peut pas appeler la police, and she is a real daughter of God, elle est vraiment une bonne fille de Dieu. What God will realize? Qu'est-ce que Dieu va réaliser? Like Pastor Matamba told to us this morning. Comme Pasteur Matamba nous a dit ce matin. What God will see? Qu'est-ce que Dieu va voir? Regarding your responsibility. Concernant ta responsabilité. How do you treat her? Comment tu la traites? So with this, avec ceci, I'm expecting, je m'attends, that in our relationship, que dans nos relations, that when we talk, que quand nous parlons, make sure, rassurez-vous, that there is transparency in the language. Qu'il y a transparence dans le langage. Honey, are you really happy? Chérie, tu es vraiment heureux? Let me tell you. Laissez-moi te dire. Don't worry about anything. Ne te soucie de rien.
Can you open up your heart? Tu peux juste ouvrir ton cœur. And tell me. Et dis-moi. How do you feel? Comment tu sens? The way I'm managing finances. De la manière dont je gère l'argent. Alléluia. Alléluia. That will bring the family together and strong. Cela va rassembler les familles, les rendre, la rendre forte. It's very, very important. C'est très, très important. And vice versa. Et vice versa. You could find some families. Tu vas trouver d'autres familles. Maybe the man. Peut-être l'homme. Doesn't have a better job. N'a pas de bon travail, mon travail. And the wife starts making more money than the husband. Et la femme commence à faire plus d'argent que l'homme. Sister, are you treating your husband in a correct way? La sœur, traites-tu ton mari de la bonne manière? Financial abuses. Les abus financiers. And the wife will say. Et la femme va dire. I make more money. Moi, je fais beaucoup d'argent. And I'm gonna take care of my parents. Et je vais prendre soin de mes parents. And you, the man, you pay all the bills. Et no? Toi, l'homme, prends soin de toutes les factures. And the man will give a quote. Et l'homme va donner une citation. Brother Branham said. Brother Branham dit. The place of the woman is the kitchen. La place de la femme, c'est à la cuisine. However, de toutes les façons, if you work, si tu travailles, is to help me. C'est pour m'aider. And it's a fight of a quote. C'est maintenant un combat de citations. Brother. Marriage relationship is not a fight about court. Frère, le mariage, les relations mariage n'est pas sur le combat de citations. It's what is in between the lines. C'est ce qui est entre les lignes. This is where you find the real position of each spouse. C'est là que tu vas trouver la position de chaque époux. So, talking about financial abuses. Parlant des abus financiers. 99% of domestic violence. 99% des domestiques de violences domestiques. Let us get into more detail. Laissez-nous entrer un peu dans le détail. Now we get into the material. Non, maintenant nous entrons dans la matière. Next slide. La suivante. One with black gloves. L'autre avec de gants un or peu purple, noir ou en violet. And the other one with red. L'autre avec de gants en rouge. What does this mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Conflict of interest in couple finances. Le conflit d'intérêt dans les finances de couple. There are a lot of conflict. Il y a beaucoup de conflits. Number one. Premier point. Type of conflict. Le premier conflit. It's family with one income. C'est une famille avec juste une seule revenu. One income. Une seule revenu. Either the wife works. Ou c'est la femme qui travaille. The man doesn't work. Et l'homme ne travaille pas. Or vice versa. Ou vice versa. This can be a big source of conflict. Ça peut être une grande source de problèmes. And it has been. Et ça a toujours été le cas. Even in the language. Même si, même dans le langage. You see the man. Vous voyez l'homme. Sometimes. Souvent. Going to the taking vacation. Puis il prend ses vacances. Himself. Lui-même. Years after years. Les années après années. He is the one who take vacation. C'est celui qui prend des vacances. He has been to Dubai. Il a été à Dubaï. He has been to Puerto Rico. Il a été à Puerto Rico. And he is planning to go to Hawaii. Il planifie d'aller à Hawaii. Those are things that we do. Sometimes we don't realize. Ce sont des choses que nous faisons, mais nous ne les réalisons pas souvent. I'm not saying that you have to pack every time the family. Je n'ai pas dit que tout le temps tu dois prendre toute la famille. But to a certain extent. Mais à un certain point. Certain behavior. Certains comportements. You cannot read what is the reaction on your spouse's heart. Tu ne peux pas lire la réaction qui est dans le cœur de ton époux ou de ton partenaire. The stimulus money. Tu as l'argent du stimulus. Stimulate only your own vacation. Stimulus seulement tes propres vacances. And the other spouse, and it can be vice versa. Et ça peut être vice versa. The man has no job. L'homme n'a pas de travail. It's the wife working. C'est la femme qui travaille. And the wife going to the Bahamas. Et la femme va à Bahamas. To Jamaica, etc. Elle va à Jamaïque et ainsi de suite. And the next other source of conflict of interest. L'autre source de conflit d'intérêt. Is the nature of the spouse.
C'est la nature de l'époux ou du partenaire. One may be a spender. L'un peut être un dépensier, celui qui dépense beaucoup. And another one is a saver. Et l'autre, c'est celui qui épargne. And if we don't understand those things, et si nous ne comprenons pas ces choses, it can destroy our families. Ça peut détruire nos familles. Marriage is to talk a language where we can understand one another. Le mariage, c'est de parler un langage où nous nous comprenons. One can be. L'un peut être. What we get. Ce que nous avons. Let us finish it today. Finissons aujourd'hui. Tomorrow will take care of itself. Oh, le lendemain prendra soin de soi-même. He will give you Matthew. Il va te donner Matthieu. Amen. It's in the Bible. C'est dans la Bible. Tomorrow will take care of itself. Oh, le lendemain prendra soin de soi-même à chaque jour de sa peine. L'autre dira. Is a saver. Il est celui qui épargne. He will tell, honey. Il va dire, chérie. Regardless. Peu importe. We have children. Nous avons des enfants. We don't know what will happen tomorrow. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Honey, chérie. You know. Tu sais. In this country. Dans ce pays. I can die. Je peux mourir. What you are gonna be? Qu'est-ce que tu vas devenir? Honey, chérie, you know. Tu sais. Retirement. Ma passion. What can I do? Qu'est-ce que je vais faire? You know, all these type of questions. Vous savez tous ces types de questions. Must be solved in a good financial management in the couple. Doit être résolu dans un contrôle ou la gérance correcte dans le mariage. You have to understand each other's nature. Vous devez vous comprendre la nature. That what she's saying. Et ce qu'elle dit. Is not. Completely wrong. Ce n'est pas totalement what faux. I'm saying ce que je dis is not also completely wrong. Ce n'est pas totalement but faux. But we have to find a balance. Mais nous devons trouver un équilibre. Because if we are all spenders, parce que si nous sommes tous des dépensiers, we nous get dépensons the money, d'argent. We spend, we spend, nous avons we spend, de l'argent, we spend. Nous dépensons et à gauche, à droite. Tomorrow, et demain, we have not even an emergency fund. Nous n'avons pas même l'argent d'urgence. Something sudden happens. Quelque chose arrive soudainement. You don't know what to do. Tu sais plus rien faire. You go to the bank. Tu vas à la banque. You go to this brother. Tu vas à ce frère. You go to this brother. Tu vas à l'autre frère. It's not a good family financial management. Ce n'est pas un management correct dans une famille. We have to plan. Nous devons planifier. Even Brother Branham said Même plan. Brother Branham dit planifier. So when God put the couple together, ainsi quand Dieu met le couple ensemble, God has a vision. Dieu a une vision. That one is going to help the other que one. Que l'un va aider l'autre. And vice versa. Et ainsi de suite. You cannot get your paycheck. Vous ne pouvez pas recevoir votre paycheck. You are paid every 2 weeks. Vous si vous êtes payé après deux semaines. And go to a nice restaurant downtown. Vous trouvez downtown, un bon restaurant là-bas dans le centre-ville. And you buy meal for $2,000. Et vous achetez la nourriture pour $2,000. Because it was the restaurant Carmelo goes. Parce que c'était un restaurant Carmelo. Carmelo is the basketball star. That's the restaurant he goes. C'est le restaurant où il va. And you go. Et vous allez aussi. Tomorrow, after tomorrow, Carmelo has still money. Après demain, Carmelo a toujours l'argent. But you. Mais toi. So it's a matter of finding a good balance. C'est un problème de trouver un équilibre. One knows how to plan. L'un connaît comment planifier. Has a vision. Il a une vision. Of tomorrow. Du demain. So brother, in your family relationship. Frère, dans vos relations de famille. You have to know each other. Vous devez vous savoir, vous connaître. If she is a spender. Si elle est dépensière. And I'm a saver. Et si je suis celui we qui have épargne. To find a middle way. Nous devons trouver un lieu commun. To accommodate each other. Pour accepter l'un l'autre. Otherwise, money is gonna control you. En d'autres termes, l'argent va vous contrôler. And it's gonna lead you to divorce. Et va vous conduire au divorce. Next point. L'autre sharing point, versus selfish. Partager contre l'égoïsme. There are some, you know, in a marriage relationship, il y a certains dans une relation de mariage. They only see themselves. Ils ne voient qu'à eux-mêmes. Never see the benefit of the other. Ils ne voient pas le bénéfice, l'avantage de l'autre. We have to know that nature. Nous devons connaître cette nature. Next one, I'm going to rush a little bit. Je vais un peu me précipiter. My family versus my spouse's family. Ma famille
contre la famille de mon époux. We have to know. Nous devons savoir. This is something that leads sometimes to divorce. C'est quelque chose parfois qui conduit au divorce. You are doing it, you are doing it, you are doing it. Tu fais ceci, tu fais ceci. But you don't know the impact in the other person's heart. Mais tu connais pas l'impact dans la dans le cœur de l'autre. Today. Aujourd'hui, my dad is sick. Mon père est malade. I'm sending this. J'envoie ceci. Tomorrow, demain, my uncle, cousin of the cousin of the cousin is sick. Oh, mon cousin, mon oncle, l'oncle de l'oncle est malade. I think one of the preachers, maybe Brother Ben said it last night or Pastor Matamba, I don't recall. Vous savez, l'un des prédicateurs en a parlé, peut-être Pasteur Matamba ou Frère But Ben. But when it's the other person, family. Quand c'est la famille de l'autre. Oh, God is going to take care of. Oh, Dieu prendra soin. Honey, let us pray. Oh, chérie, prions. But when it's your family. Mais quand c'est ta famille. Where is the prayer? Mais où est la prière? And this is part of financial management. Ça fait partie de management de la famille de finances. It's very very important. C'est très important. In our relationship, dans nos relations, we have to talk. Nous devons parler, communiquer avec un cœur ouvert. Don't think the silence of the other person. Ne pensez pas que le silence de l'autre is an agreement. C'est l'acceptance, il accepte tout. You know, you can keep doing. Vous allez continuer à faire. The day that person is going to blow out. Le jour où cette personne va exploser. Ah, I'm surprised. Ah, je suis surpris. We don't need to be surprised. Nous ne sommes pas censés être surpris. We don't need surprises. Nous n'avons pas besoin de surprises. As the bride of Christ, comme l'épouse de Christ, we need to talk. Nous devons partager, communiquer. With open heart. Avec un cœur ouvert. Amen. Amen. The next point. Le prochain point. Is secret and hidden expenses in the relationship. Et c'est le secret et les dépenses cachées dans le mariage. Western Union and MoneyGram, they know something. Western Union et MoneyGram, ils connaissent, ils en savent quelque chose. That the other spouse doesn't know. Que l'autre époux ne connaît rien. That can lead to the breaking of marriage. Ça peut conduire même au brisement de mariage. The equation is 1 plus 1 equal. L'équation est 1 plus 1 égale. 1. Ah, they don't say it during the marriage ceremonies. On ne le dit pas pendant la cérémonie du mariage. It must be lived. Ça doit être vécu. Because if I die today, parce que si je meurs aujourd'hui, my family, ma famille, the question will be addressed to my wife. La question sera posée à ma femme. How much money he had? Combien d'argent il avait dans son compte? Amen. Amen. But if I live with her, mais si je vis avec elle, without transparency, sans transparence, you don't realize in which trouble you are putting your spouse. Vous ne réalisez pas dans quel trouble vous mettez votre épouse. And the word of God is not telling us to live such a painful life. Et la parole de Dieu ne nous enseigne pas de vivre une vie pénible to comme build cela. Build a family. To build a family, pour construire une famille, there must be transparencies between husband and wife relationship. Il doit y avoir de la transparence entre l'homme et la femme. And especially when it comes to finances. Et spécialement quand il s'agit des finances. Some wives, they don't know how much money their husband is making. Certaines femmes ne connaissent pas combien leur mari gagne. And when the husband works, the wife works. Et quand l'homme et la femme travaillent, neither know what the other person is making. Aucun d'entre eux connaissent qui gagne combien. You call this marriage? Vous appelez ça un mariage? It's a separation. C'est déjà une séparation. And sometimes et non-working spouses, et c'est le époux qui ne travaille pas. They are raising questions about ils élèvent des questions, posent des questions allowance sur les allocations. Because you see in some marriages, vous savez dans que certains mariages, one working, l'autre qui travaille, and the other one is depending totally to the man or the husband. Et l'autre qui dépend totalement de l'époux ou de son partenaire. Even to go buy a candy, même pour aller acheter un petit bonbon, donne-moi un peu d'argent. Brother, that's not a marriage. Ouais, ça ce n'est pas un mariage. And especially, et spécialement. When they have separate bank accounts. Quand ils ont des comptes bancaires séparés. Or maybe they have only one bank account. Ou quand ils ont sur un seul compte bancaire. The signer is one person. La personne qui signe c'est une seule personne. The other person. Et l'autre. To buy a candy. Pour acheter même un petit bonbon.
Like a child. Comme un enfant. But relationship. Mais la relation. Husband and wife. L'homme et la femme. Like we heard this morning. Comme nous avons entendu ce matin. It's a friendship relationship. C'est l'amitié, c'est une relation d'amitié. 1 + 1 = 1. 1 + 1 = 1. What I have. Ce que j'ai. Belongs to her. Lui appartient. And she must have access. Elle doit avoir accès à cela. This is the question about even spouse allowance should not be an option. Les questionnements même sur les allocations de l'époux ne doivent même pas être une question. If you live a clean, a clear life. Si vous vivez une vie claire et transparente. Because if the wife wants an allowance. Si la femme veut une allocation. Me also as a man, I need an allowance. Moi aussi comme un homme, j'ai besoin un peu d'argent, d'une allocation. That means those allowances. Ça veut dire ces allocations. You take your portion. Vous prenez votre portion. Do what you have to do. Fais ce que tu es censé faire. I don't need to know. Moi je ne suis pas obligé de savoir. I take mine. Moi aussi je prends un petit argent. I do whatever I do. Je fais ce que je fais. You don't need to know. Tu n'es pas obligé de savoir. We are breaking the equation of 1 + 1 = 1. Nous sommes en train de résoudre l'équation de 1 + 1 = 1. Amen. Amen. This leads us to the next topic. This one was the conflict of interest in couple finances. Ceci était le conflit d'intérêt dans un couple. Ça dans nous conduit maintenant dans les finances de couple et cela nous conduit dans une autre présentation, l'autre point. Yesterday when I was sitting here. Hier quand j'étais assis ici. Brother Ben was preaching. Frère Ben était en train de prêcher. He was touching some of these points. Il touchait certains points. I say praise God. Oh, Dieu soit loué. I'm gonna get in more detail. Je vais entrer dans les détails. He asked the question. Il a posé la question. How many bank account couple need to have? Combien de comptes bancaires un couple doit avoir? And this morning, Pastor Matamba talked about it. Et ce matin, le pasteur Matamba en a parlé encore. Now I'm gonna get in detail. Maintenant, je vais entrer dans les détails. Which kind of bank account we Quel know? Quel genre de bank account, d'un compte bancaire nous devons avoir? Next slide. Présentation. How many bank accounts shall a couple have? Combien de comptes bancaires un couple est censé avoir? I'm gonna teach you a little bit of finances. Je vais vous enseigner un tout petit peu sur les finances. Type of account. Les types de comptes. Saving account. Les comptes d'épargne. Everybody know about it. Tout le monde connaît ce compte. Current account. Le compte de compte courant. Compte courant. Maybe the checking. Au compte courant. And next, et le prochain, recurring deposit account. Un compte où on met des dépôts couramment. Today we have a woman who have studied finances. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont étudié des finances. Oh, honey, you don't understand. Oh, chérie, toi, tu ne comprends pas. Even they preach, we need to have a bank account. Même quand on prêche qu'on doit avoir un compte bancaire. Yeah, we can have still a bank account. Nous pouvons toujours avoir un compte bancaire. But mais I need a recurring deposit account. Moi, j'ai besoin d'un compte récurrent où je dois déposer de l'argent. And that goes beyond the husband. Cela va à travers un peu le mari. Do you know what is going to have like an impact in the heart of the other person? Vous ne savez pas l'impact que ça fera dans le cœur de l'autre personne. You, toi, the spouse. Le mari, you are telling him things he doesn't understand and vice versa. Ou tu lui montres des choses qu'il ne comprend pas ou vice versa. Your speech may convince her. Votre discours peut le convaincre. But very often, mais très inside souvent, of their heart. Mais à l'intérieur. Inside of their heart. À l'intérieur de son cœur. They are not convinced. Ils ne sont pas convaincus. And you are killing the marriage relationship. Et vous détruisez la relation du mariage. And then you have a fixed deposit account. Et vous avez un compte bancaire de fixed. And you have what they call a DMAT account. Et vous avez ce qu'on appelle le DMAT account. Who has an idea of what a DMAT account is? Qui a une idée de ce que DMAT account veut dire? Imagine a wife just read on the internet DMAT account. Vous savez, la femme a lu seulement sur l'internet sur le DMAT account. Don't follow what the pastor is saying. Ah, ne suivez pas ce que le pasteur I dit. I need a DMAT account. Moi, j'ai besoin d'un compte DMA. What is the DMAT account is the short for dematerialization account. Le DMAT account, ça démontre dématérialisation d'un account. That means you take physical money. Vous savez dire vous prenez l'argent physique. And you convert it in electronic form of money. Et vous convertissez ça sous forme d'un argent électronique. And sometimes the other spouse has no clue.
Et l'autre, par moment, l'autre partenaire n'a aucune idée. And we abuse our spouses. Et nous abusons nos époux, especially nos épouses. If you have been living here longer. Et spécialement si vous avez vécu ici en Amérique très longtemps. Maybe the other spouse just arrived. Peut-être l'autre époux vient d'arriver. The money I'm making. L'argent que j'ai fait. You don't need to know everything. Tu n'es pas censé tout connaître. This is what we are going to have together. C'est tout ce que nous aurons ensemble. But this is a demat account. Mais l'autre là, c'est l'argent converti demat account. But the definition is Mais the dematerialization account. C'est le compte dématérialisation. It's like a bank account. C'est comme un compte bancaire. For your share certificate. Pour vos les certificats de change and other security that are held in an electronic form. Ou d'autres certificats qui sont renfermés dans une forme électronique. So this question, alors cette question, I cannot give you the clear answer. Je ne peux pas vous donner une réponse claire. Which bank account a family is supposed to have versus this account? No. Quel compte bancaire que la famille est supposée avoir ou ainsi de suite? Non, je ne peux pas But le faire. In a real couple, mais dans un couple réel, you talk together, vous parlez ensemble, according to your needs, selon vos besoins, find what is gonna work for both of you, trouvez ce qui va marcher pour vous deux, in your both interest. Pour votre intérêt ensemble. If you say we need either one bank account or more, si vous either dites, you have one income or more income. Si vous dites que nous avons besoin d'un seul ou plusieurs comptes, ou si vous avez un seul revenu ou plusieurs revenus, do it together. Faites-le ensemble. Only one joint account. Ou avoir un compte ensemble. Or to have two joint accounts. Ou avoir deux comptes ensemble. Or ensemble, have as many as all your joint accounts. Ou avoir beaucoup d'autres des comptes ensemble. The other option. L'autre option. Is a question. C'est la question. Each spouse shall have at least one or more separate accounts. Est-ce chaque partenaire doit avoir un compte séparé? Un ou plusieurs comptes séparés. And also have some more joint account with the spouse. Ou avoir certains comptes ensemble avec le partenaire ou l'époux ou l'épouse. But the answer is, mais la réponse est, what is your motive? Quel est votre motif? What is your objective? Quel est votre objectif? Is it to hide some money? Est-ce que c'est pour cacher d'autres argent, un peu d'argent à côté? So that the other person is not aware. Afin que l'autre ne connaisse pas ce que vous faites. You are killing your marriage right there. Vous êtes en train de tuer, de détruire votre mariage. Either the family has only one income or many sources of income. Soit la famille a une seule revenu ou plusieurs sources de revenus. Live like a Christian. Vivez comme des chrétiens. Because you have learned each other's nature. Parce que vous avez appris la nature, les natures de chacun. This one is a saver. This l'autre one is a spender. C'est lui qui épargne, l'autre est dépensier. Honey, look at this. Et chérie, regarde ceci. We are gonna have a money market account, for example. Nous aurons les comptes de marché. Checking account. Ou le compte courant. Then we will use to pay our bills and live. Nous allons utiliser pour payer nos factures et vivre. Because we don't know tomorrow. Parce que nous ne savons pas demain. Let us take a certain percentage. Et alors prenons un pourcentage de l'argent. To have it in the saving. Alors nous allons mettre un peu garder à côté, épargner. Just in case. Juste au cas où. And you both know what you are doing. Et vous savez tous les deux ce que vous faites. Don't try to be smarter. To your spouse. N'essayez pas d'être malin plus que votre partenaire. In the financial world. Dans ce monde des finances. Or your paycheck, the other person doesn't see. Ou votre fiche de paye, l'autre ne voit pas. I don't see. I'm not talking about the physical to see it. Je ne parle pas physiquement de le voir. But she knows. Mais elle est censée connaître. Because when the deposit hit the bank, she can know. Parce que quand l'argent entre dans le banque, elle doit savoir. But if you go talk to your employer. Alors quand si vous allez parler à votre employeur. My direct deposit. Mon argent quand vous envoyez l'argent. 80% in my Belco account. 80% vous envoyez dans mon compte dans cette banque Belco. 20% in Bank of America. Et 20% dans la banque de l'Amérique. If your spouse doesn't know. Si votre partenaire ne sait pas.
You are killing your marriage. Vous êtes en train de détruire votre mariage. And you are a subject of certain leadership. Et vous êtes un sujet de la conduite du Satan, du diable. And certain objective is to destroy families. Et l'objectif du diable, c'est de détruire les familles. And Satan has found in you. Et le diable a trouvé en vous. Somebody he can use to fulfill his plan. Quelqu'un qui peut utiliser pour accomplir son plan. Imagine. Imaginez-vous. You could have done this for years. Vous pouvez faire ceci pour des années. The only time your spouse is going to be aware of that game. La seule fois où ton époux ou ton épouse sera au courant de ce que tu fais that de ton jeu. That will break the trust for all the years. Cela va briser la confiance pour toutes ces années. Just be very, very aware. Soyez très conscient. You can conceal all everything. Vous pouvez cacher et faire toutes ces choses. But with God, mais avec Dieu, there is nothing that will never transpire one day. Il y a rien qui ne sortira pas, ne sera pas exposé. So from this time, mais à partir de ce moment, in your real relationship, dans vos relations, make sure, rassurez-vous, that you adjust what need to be adjusted. Que vous vous arrangez ce qui doit être arrangé. Amen. Amen. When you go home, si quand vous allez à say, la maison, honey, dites, chérie, this is what I've been doing. Voilà ce que je faisais. Based on what we heard, mais c'est basé sur ce que nous avons entendu. I'm gonna tell you everything. Je vais tout te dire maintenant. Amen. Amen. Last point about the credit card. Dernier point sur le carte de crédit. Man has a credit card. L'homme a une carte de crédit. Woman has a credit card. Et la femme a une carte de crédit ou des cartes de crédit. That the other person doesn't know. Que l'autre ne connaît même pas. The day you die. Le jour où vous mourrez. Belko call. Belko appelle. Oh, he left such debt. Oh, il a laissé une dette. And he left life insurance. Il a laissé l'assurance vie. $50. $50. $50,000. $50,000. But the credit card bill, et les factures de crédit, de cartes de crédit, $70,000. C'est $70,000. Where that poor widow is gonna solve? How she is gonna solve? Où est-ce que cette veuve va trouver l'argent pour résoudre ce problème? Brothers, sisters, frères et sœurs, money, l'argent, is the killer of our families. C'est les destructeurs de nos familles. If we don't control money, si nous ne contrôlons pas bien l'argent, according to the word of God, selon la parole de Dieu, and we let money control us, et nous laissons que l'argent nous contrôle, it's gonna be too late. Ça sera tard. Next slide. La prochaine, la suivante présentation. There is no way to avoid conflict in your marriage. Il y a aucune manière d'éviter le conflit dans votre mariage. We will always have conflict. Nous aurons toujours des conflits. Because we are different. Parce que nous sommes différents. You are a spender. Tu es celui qui dépense beaucoup. He is a saver. Et c'est celui qui épargne beaucoup. Different nature. Des natures différentes. There will always be conflict. Et il y aura toujours des conflits. The more money you make, plus d'argent que vous faites, either the less you make, ou moins que vous gagnez, there will be always conflict. Il y aura toujours de conflits. But the question is, mais alors la question est, how will you deal with it? Comment vous devez gérer, traiter avec? I have no solution to give to you. Je n'ai pas de solution à vous donner. But as I say, I'm stirring up the questions. Mais ce que j'ai dit, je suis en train de stimuler ou de bouger la question. And leave it up to every couple. Et les laisser à chaque couple. Trying to find their own solution. D'essayer de trouver leur propre solution. Especially don't hurt your spouse. Et spécialement ne faites pas du mal à votre partenaire. Because you have the you are the source of income. Parce que vous êtes celui qui gagne, vous avez des revenus. Financial management. Next slide. Financial management in marriage. La gérance de finances dans le mariage. First question. And you see even fighting. Vous voyez même des disputes before the children. Devant même les enfants. The food on the table. Il y a la nourriture sur la table. The big girl. Oh, la grande fille. And the other one looking. Et l'autre est en train d'observer. Is this happening also in our home? Est-ce que ceci arrive aussi dans nos maisons? Because of money. À cause de l'argent. And sometimes the question is. Et très souvent la question est. The conflict is who is in charge. Le conflit est qui gère, qui prend les charges. Who pays the bills? Qui paye les factures? It depends on every couple. Ça dépend de chaque couple. Some couples, certains couples, the man, l'homme, is on the top. Il est au-dessus.
He knows when every invoice is due. Il sait quand est-ce que chaque facture doit être payée. And the other couple, the woman does it. Et dans d'autres couples, c'est la femme qui s'en charge. You give it to the man, he will always forget. Vous allez donner à l'homme, l'homme va toujours oublier. So in every couple, you need to find a balance. Et dans chaque couple, vous devez trouver un équilibre. You need to communicate and know. Vous devez communiquer, savoir. But mais if one does all the bills, si l'un fait tout et paye toutes les factures, what about the other? Qu'en est-il de l'autre? It's a marriage. C'est un mariage. You cannot leave all the burden to one paying all the bills. Vous ne devez pas laisser tout le poids sur l'autre. Il paye les factures, il fait tout. It can be good. Ça peut être bien. But what is your job? Mais quel est votre travail? Because even you, the wife. Parce que même toi, la femme, you are a helper. Tu es une aide. In which way can you help? De quelle manière tu peux aider? What is your job? Quel est votre travail? Brother Branham, in one of the messages. Brother Branham, dans l'un des messages. The husband wanted to buy a dress. La femme voulait acheter une robe. No, the man wanted to buy a dress. L'homme voulait acheter la robe. The help of the wife. L'aide de la femme. Oh, l'aide de la femme. No, honey, I'm okay. Non, chérie, je suis bon. I think the one I have is je pense que enough. Ce que j'ai, c'est assez. That's the question. C'est la question. If this person get the money, si cette personne a l'argent, he works hard, il travaille durement, bring the money, il apporte l'argent, and he pay the bills, il paye ses factures. What is your job? Quel est votre travail? We have to be in association. Nous devons nous associer. And also, who has the last word? Oh, et aussi, qui a les derniers mots? Because conflict is always. Parce que le conflit est toujours là. Who has the last word? Qui a les derniers mots? We know what the word of God says. Nous savons ce que la parole de Dieu dit. But. Mais. The one who has the last word. Mais c'est lui qui a les derniers mots. Are you going to give the last word in a dictatorship? Tu vas donner ton dernier mot comme un dictateur? Or in a persuasive way. Ou pour une manière de convaincre? Are you with me? Êtes-vous avec moi? How many agree that it should be dictator? Combien sont d'accord que on devait le donner d'une manière d'un dictateur? This is what I say. This is the way it needs to be done. C'est comme ça que je l'ai dit. Ça doit être fait de cette manière. The word of God said. La parole de Dieu dit. I am the boss. Je suis le patron. And I am the one who's going to respond for your je soul. Je suis celui qui va répondre pour ton âme. Or it should be in a persuasive way. Ou ça doit être une manière de persuader, de le convaincre. You see. Vous voyez. What we have. Ce que nous avons. We cannot afford this nous kind of car. Nous ne pouvons pas vraiment être en mesure de faire, d'acheter ce genre de we choses. We cannot afford this kind of things. Nous ne serons pas en mesure de vivre, de payer ce genre de choses. Otherwise. Autrement, we will not be even able nous ne serons même pas en mesure to properly serve the Lord. De servir de Dieu correctement. If I go that way, si je vais cette direction, I will not even be able to pay my tithes. Je ne serai même pas en mesure de payer mes dîmes. And that will bring a curse on you. Et cela va apporter la malédiction sur vous. This is the help of the other spouse. C'est l'aide de l'autre partenaire. Honey, did you pay your tithe? Chérie, as-tu payé ta dîme? Do you pay your offering? Tu as payé tes offrandes? Otherwise, it's bringing a curse to the family. Autrement, ça va apporter la malédiction sur la famille. Oh, honey, you know. Oh, chérie, tu sais. I'm thinking about retirement. Je pense à la pension. I don't have enough money. Je n'ai pas assez d'argent. If I take retirement today, si je prends ma pension aujourd'hui, they are gonna pay me only 2,000 a month. On va me payer seulement 2,000 par mois. And with 2,000, I don't know how to pay for the mortgage. Avec 2000, je ne sais pas comment payer pour la maison. Communication. Vous devez communiquer. Amen. Amen. So we are gonna try to close up. Nous allons essayer de clôturer. Next slide, please. Communication in marriage is absolutely vital. La communication dans le mariage c'est absolument vital. You have to know how to communicate. Tu dois savoir comment communiquer. You have to know how to pass your message to the other spouse. Tu dois savoir comment passer votre message à l'autre. You know there are times where when you know that if I tell her this now. Vous savez il y a des temps. Vous savez que si je lui dis cette affaire maintenant, it's not gonna pass. Ça ne va pas passer. She will get the majority in the Congress. Elle aura la majorité au Congrès.
But if I wait, mais si j'attends un tout petit and peu, I see the next election, et j'attends un peu à la prochaine élection, at this time, à ce temps ici, it can pass. Ça peut passer. Know your spouse. Il faut connaître votre know partenaire. How to communicate, savoir comment communiquer. And when to communicate. Et quand communiquer. Next slide. Good communication, une bonne communication, is the lifeblood of successful marriage. C'est la ligne de sang pour un mariage en succès. To have success in marriage, pour avoir un mariage réussi, it takes good communication. Ça demande, exige une bonne communication. And like the other meeting we had, it was about communication, right? Comme l'autre réunion que nous avions, il s'agissait de la communication. I gave an example. J'ai donné un exemple. A man was from Congo Kinshasa. Un homme venait de Congo Kinshasa. But he have lived a long time in Congo Brazzaville. Mais il a vécu un bon bout de temps au Congo Brazzaville. He came and said, "Honey." Il est venu, il a dit, chérie. Oh, the wife said, "What do you plan to eat?" Et la femme pose la question, qu'est-ce que tu planifies pour manger? Manioc. Le mari répond manioc. The wife went to the market and buy manioc. La femme est allée et il a acheté des manioc. But in Congo Brazzaville, mais au Congo Brazzaville, when they call manioc, when ce que eux appellent manioc, it's chikwang. Ce sont des chikwang. The man came find manioc on the table. L'homme est venu et il a trouvé des manioc sur. He said, "No, that's not what I said." Il dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Good communication. La bonne communication. When you pass the message, quand vous passez le message, you have to make sure that the other person understands. Vous comprenez, vous savez que l'autre comprend votre message. And in communication, dans la communication, we have to exercise out what to say. Nous devons nous exercer comment ce que nous devons dire. And also be a good listener. Et être aussi celui qui écoute, un bon écouteur, celui qui écoute. When spouses stop talking, quand les partenaires arrêtent de parler, their marriages slowly begin to die. Leur mariage commence à mourir, à se détruire graduellement. You have to talk. Vous devez parler. And you know many instances. Vous savez, dans plusieurs instances, husband and wife, l'homme et la femme, they have problems. Ils ont des problèmes. They don't talk for a period. Ils ne parlent pas pour un temps. You know that, right? Vous savez cela. Everybody pas? Doing his own things. Tout le monde fait son propre affaire. Pretending to be more spiritual. Nous pensons être plus spirituels. Bonjour, bonjour. Good morning. Good Even morning. You take the word of God, you même, start reading. Même vous prenez la parole de Dieu, vous commencez à lire. You meditate. Vous méditez. But you don't talk. Tu ne parles pas. You go to the bed. Tu vas au lit. This one looking against the wall. L'autre regarde au mur. This one looking at the side. L'autre regarde de l'autre côté. Do things must not happen. Ces choses ne sont pas censées arriver. Because it's slowly beginning to kill our marriages. Parce que cela détruit graduellement nos mariages. When there is an issue, quand il y a un problème, find the right time. Trouvez un bon temps. Approach the other person. Et approchez la personne. I hate the men. Je déteste l'homme. When they don't cannot talk to their wives. Quand ils ne peuvent plus parler à leur femme. They put the food on the table. On met la nourriture sur la table. And you see him a few minutes coming with a bag of hamburger for McDonald's. Vous voyez quelques minutes, il revient avec les hamburgers de McDonald's. He's eating. Il eat, il mange. No, that's not a man. Non, ça ce n'est pas un homme. There is less manhood in that man. Il y a moins d'hommes de masculinité dans cet homme. I can understand women doing those kind of stuff. Je peux comprendre la femme faire ce genre de caprices. Because they want to be approached. Mais elles veulent être approchées. You have to just say, "Honey, good." Vous devez cajoler, dire chérie. They are not hard. Elles ne sont pas aussi dures. Elles ne sont pas difficiles. They are not hard. When they quand elle crie un peu, a bucket of flour can solve a lot of problems. Et même un bouquet de fleurs peut résoudre beaucoup de problèmes. A new dress from Messi can solve a lot of problems. Et une nouvelle robe de Messi va résoudre beaucoup de problèmes. You bring it. Tu l'apportes. She look. Elle regarde. Inside she is happy. À l'intérieur elle est déjà But heureuse. In the mouth, put it there. Mais dans la bouche elle dit mets ça seulement là-bas. We have to know what to do. Nous devons savoir ce que nous sommes censés faire. And the more we grow in the word, plus nous grandissons dans la parole, we must become better. Nous devons devenir meilleurs. Amen. Amen. Next slide. Prochaine. Christian formula. La formule chrétienne. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Égale à 1.
And the comment said, et le commentaire dit, a lack of transparency, le manque de transparence, results in distrust, résulte dans le manque de confiance. You can be wonderful, vous pouvez être merveilleux, but the day your spouse, mais le jour où votre épouse, find out something that you have done not communicating to her, va trouver, va découvrir quelque chose que vous avez fait sans le communiquer. Not by accident, pas par accident, but willfully you did it, mais tu l'as fait volontiers. That one thing, cette chose, will destroy the rest of your life, va détruire le reste de votre vie. This is how we saw the statistics. C'est comme ça que nous avons vu des statistiques. People even getting divorced after X number of years. Les gens qui se séparent après des nombres d'années différentes, X nombre d'années. We have to be aware of those things. Nous devons être conscients de ces choses. And build our trust. Et construire notre confiance. So it will result in distrust. Ça va résulter dans le manque de confiance. And a deep sense of insecurity. Et dans un sens profond d'insécurité. When you bring your wife to a spot, et quand vous amenez votre femme à un point, when she feels she is insecure, où elle sent qu'elle est en insécurité, she can even take money from your bank account without you knowing. Elle peut même prendre l'argent de votre compte bancaire sans même que vous le sachiez. Go buy food. Elle va aller acheter la she nourriture. She buy food for $20. Elle achète la nourriture pour $20. Every time $10 on the side. Chaque fois $10 à côté. Western Union. Elle envoie par Western Union. And then they send you a picture. She finished the house of her parents. Et on t'envoie après une photo qu'elle a déjà fini de construire la maison de ses parents. And you get into the distrust, et toi, tu entres dans ce manque de confiance and insecurity, et en insécurité. Tomorrow, et demain, you have to go see the judge. Et tu vas aller voir un juge. The divorce judge. Un juge de divorce. So there are so many conflicts. Il y a maintenant plusieurs conflits. Many types of conflicts. Plusieurs types de conflits. The other day, one of the meetings, I talked about the conflict in the bedroom. Et l'autre réunion, j'ai parlé de conflits sur le lit. Because people don't communicate. Parce que les gens ne se communiquent pas. You are living with a wife. Tu vis avec une femme. And you live with a man. Et tu vis avec un homme. There is no communication. Il n'y a pas de communication. You can have children. Tu peux avoir des enfants. But there is no communication. Il n'y a pas de communication. Even in your intimacy, there must be communication. Même dans vos intimités, il doit y avoir une communication. The way you live, la manière dont tu vis. Honey, are you satisfied? Chérie, tu es satisfait? Are you satisfied? Tu es satisfait? What can we do? Qu'est-ce que je dois What faire? What can be done? Qu'est-ce qui doit être fait? Even those things must be done with common agreement. Même ces choses doivent être faites d'un commun accord. If there is no communication, s'il n'y a pas de communication, it will be imposition. Ça sera toujours des impositions. Do it quickly. Fais ça rapidement. Where do you want me to go? Qu'est-ce que tu veux que je parte? Where do you want to go? Mais où est-ce que tu veux partir de toutes les façons? Un païen. You're a pagan. And also know that your body is for the other one. Et qu'il faut connaître aussi ton corps appartient à l'autre. And vice versa. Et vice versa. And do it with a good communication. Et faites ça avec une bonne communication. With transparency. Avec de la transparence. You know, honey. Vous savez, chérie. They think it's not I don't like you. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. But during this time. Mais pendant ces temps whenever ici, I go this maybe you know go into menopause or chaque fois que j'entre dans la ménopause, vous savez toutes ces choses. I feel like it's not convenient. Ce n'est pas vraiment approprié. With a good communication, avec une bonne communication, the other person will not push you. L'autre personne ne va pas te repousser. Will not force you. Ne va pas te forcer. Otherwise, mais d'autrement. Oh, she's tired. Elle est fatiguée. I told you, I don't want. Just do whatever you want. You are doing whatever you have to do. Tu fais ce que tu dois faire. She's reading Brother Branham. Elle est en train de lire une brochure de Frère Branham. No. Oh non. That's not good relationship. Ce n'est pas une bonne relation. And instead of doing this, au lieu de faire ça, try to find an appropriate time. Trouver un temps approprié. Don't hurt the other person. Ne faites pas du mal à l'autre you personne. You are not supposed to live such life. Tu n'es pas supposé à vivre ce genre de vie. Next slide, I'm going to skip. Je vais Next sauter. Slide. Toward the end, Brother Branham said, fin, Branham dit, it's a question and answer number 3. You can find it yourself.
La question réponse numéro 3, vous pouvez trouver ça But pour toward vous-même. The end, he says, vers la fin, Frère Branham dit, je ne sais pas si j'ai un pointeur ici. Right here. Don't know if Juste everybody là. Can... Je ne sais pas si tout le monde peut lire. To your wife, be real. À votre femme, soyez réel. Real nice. Soyez vraiment aimable. And respect one another. Et respectez-vous les uns les autres. With your family relationship. Avec votre relation relation. De famille. And so forth like that. Et ainsi de suite comme cela. Let it be just as reverently. Que cela soit révérencieux. And godly. Et divin. Dieu. Agree with among you and everything as it can be. Mettez-vous d'accord avec tout comme cela devrait être fait. Agree. Mettez-vous d'accord. How you will agree if there is no good communication? Comment vous allez vous mettre d'accord s'il n'y a pas une bonne communication? She is not a machine. Elle n'est pas une machine. You let her work 24 hours at Walmart. TJ Maxx. Vous la laissez travailler 24 heures à TJ Maxx. And she has to take care of the children. Elle doit prendre soin des enfants. And on the bed. Et la nuit, le soir, sur les lits. Branham said, "Don't never push." Frère Branham dit, ne la poussez pas. Brother, if you push your wife, you are doing wrong. Frère, si vous poussez votre, bousculez votre femme, vous êtes en erreur. And sometimes women also they push the men. Par moments aussi, ce sont les femmes eux qui poussent les hommes. Even Sunday morning. Même le dimanche matin. Let's do quickly before we go to oh, church. Allons, faisons rapidement avant d'aller à l'église. And you find the man sleeping in the church. Vous trouvez l'homme qui dort dans l'église. You don't know the root cause. Vous ne savez pas la racine. And shove and be dirty and vulgar. Ne bousculez pas, ne faites pas ça, ne soyez pas vulgaire ainsi All de of suite. This is about Tout communication. Ceci. C'est sur la communication. Have a good communication. Ayez une bonne communication. In whatever you do, dans tout ce que vous faites, communicate as gentlemen, communiquez comme des bons gentlemen, as brother and comme sister, frères et sœurs. She's your brother, your sister, elle est ta sœur, he's your brother. Il est ton frère. Don't be selfish. Ne soyez pas égoïste. I want to satisfy myself. Ah, je veux juste me plaire. Marriage is not all about sex. Le mariage n'est pas tout à fait seulement sur le sexe. Next slide. Understand. Talk to your wife. Comprends. Parle à ta femme. Communication. Communication. This is in question answer number 3. Brother Branham speaking. C'est dans question réponse numéro 3. Frère Branham dit. If one nature is to you. Si une nature t'appartient. And other nature to her. Et l'autre nature est à elle. Talk it with her. Parlez-en. You have to talk. Vous devez parler. And be open. Et soyez ouvert. Honey, you know. Chérie, tu sais. For me. Pour moi. Just once. Juste une fois. It's not enough. Ce n'est pas assez. Can you allow me at least? Tu peux me permettre au moins. A little bit more. Un peu plus. Or it can be the spouse. Ou ça peut être la femme. But in general, the spouse don't talk. En général, les femmes, elles, ne parlent pas beaucoup. But I'm encouraging your sister to talk. Mais je vous encourage, sœur, de parler. It's your own husband. C'est votre propre mari. Because if you don't talk, parce que si tu ne parles pas, and you keep it in your heart, et tu gardes ça dans votre cœur, it's gonna hurt you. Ça va te détruire. Be open. Soyez ouverte. That's why communication. Voilà pourquoi la communication in marriage dans le mariage is the key. C'est la clé. You lose communication. Tu perds la communication. You lose everything. Tu perds tout. Understand one another. Comprenez-vous les uns les autres. And be real Christian gentlemen. Et soyez des vrais gentlemen chrétiens. And real Christian ladies. Et des vraies dames chrétiennes. And brother and sister with one another. Et soyez un frère et une sœur l'un pour l'autre. Amen. Amen. So, closing. Pour clôturer. As we said. Comme nous l'avons dit. Satan has one tool. A un instrument. Is to cause the couple to be separated. C'est pour causer que le couple soit séparé. But the God of William Branham. Mais le Dieu de William Branham. Who has restored marriage. Qui a restauré les mariages.
And who has received the pardon for us, et qui a reçu le pardon pour nous, will not tolerate divorce among us. Ne va pas tolérer les divorces parmi we nous. Have no excuse. Nous n'avons aucune excuse. God told Branham, Dieu a dit à frère Branham, go tell them, va leur dire, they are forgiven. Ils sont pardonnés. And they can continue to do it. I will continue to forgive them. That's what he said. Et ils peuvent continuer à faire, et moi, je vais continuer à les pardonner. C'est ce qu'il a dit. No. Non. Tell your children. Dites à vos enfants. Never to do it. De ne plus le refaire. Brother, today. Frère, aujourd'hui. Even a pastor. Même un pasteur. Regardless of who. Peu importe qui que ce who's soit. Who's gonna go against this word? Qui va aller contre cette parole? To allow you to live with a living spouse? Pour vous permettre de vivre avec un partenaire ou une femme and go avec marry un mari another qui one, vit et marié don't un autre? You accept it. N'acceptez pas it's cela. Your responsibility. C'est votre responsabilité. If for some reason you want to be separated, si pour une raison vous voulez vous séparer, you stay like that. Vous vivrez comme cela seul. And if you are tired, et si vous êtes fatigué, go reconcile. Allez vous réconcilier. There is no such thing as remarriage. Il n'y a pas une chose pareille comme se remarier with a living spouse avec une femme ou un homme qui est encore en vie in the message. Dans ce message. If people are trying to find excuses, si les gens essaient de trouver des excuses, how you can live with a wife? Comment tu peux vivre avec une femme? For many years. Pour plusieurs années. And then, et après, you want to say, tu veux dire, she was not sincere. Oh, le vœu n'était pas sincère. No, she was not sincere. Elle n'était pas sincère. Her confession, sa confession, of fornication, ou sa fornication, was not correct. N'était pas correcte. We know, Brother Branham said. Nous savons, frère Branham dit, even if after 10 years she confessed, même après 10 ans, si elle confesse, you have the right, tu as le droit, to kick her out, de la répudier, and take another one, et prendre une autre. But mais, you have also the option to forgive. Mais tu as aussi une option de pardonner. But they put all the things aside. Mais on a tout mis de côté. They emphasize wrong vow, mais go on get insiste married. Toujours sur le vœu qui n'était pas sincère, le vœu n'était pas sincère pour se remarier. Somebody, quelqu'un, with a spouse, avec un homme ou une femme, with children, et des enfants, coming to the church, qui vient à l'église, with the same pastor, avec le même pasteur, who married them initially, qui les a mariés initialement, to marry them with another one, qui va les remarier avec quelqu'un d'autre. If you really had a love for the other person, si vous avez vraiment l'amour pour l'autre personne, can you afford to see her watching you getting married? Vous allez vraiment supporter la voix de regarder se remarier? There is something wrong with you. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi-même. Because there is no sin that Christ could not forgive us. Parce qu'il y a aucun péché que Christ ne pouvait pas nous pardonner. If we had a real love for our wives, si nous avions un bon amour pour nos femmes, we will find always a ground to forgive. Nous allions toujours trouver un moyen pour pardonner. Amen. Amen. So love is for life. Next slide. Merci. L'amour, c'est pour la vie. I'm watching the slide, the time. Je suis en train de surveiller le temps. Love for life. L'amour pour la vie. No divorce. Pas de divorce. No separation. Pas de séparation. Brother, there are people living in the same house being separated. Frère, il y a des gens qui vivent sous le même toit, mais ils sont séparés. When they come to church, they quand are ils together. Viennent à l'église, ils sont ensemble. Everywhere together. Partout, ils sont ensemble. But some places, mais à certains endroits, they are separated. Ils sont séparés. They live with separated bank accounts. Ils vivent avec des comptes bancaires séparés. They live one with a Demat account, the other one doesn't know. L'autre vit avec des Demat accounts et l'autre especially ne connaît pas. Especially when it comes to money. Même c'est spécialement quand il s'agit brother, de l'argent. Many people are separated. Frère, beaucoup de gens sont séparés. Let me tell you, don't let money separate you. Ne laissez pas l'argent vous séparer. Let always the same initial love. Laissez cet amour initial. Continue to burn in you. Continue à brûler en vous. And you know when you approach that woman for the first time. Vous savez quand vous aviez approché cette femme pour la première probably fois. Probably you used to make $10 an hour. Probablement vous aviez l'habitude de faire $10 par l'heure. You told her you made 15. Et toi tu lui as menti que tu fais $15. Now you get her. Maintenant tu l'as. You make 15. Tu fais $15. You tell her you make 10. Et toi, tu lui dis que c'est 10 maintenant. That's a lack of transparency. C'est un manque de transparence. No divorce.
Il n'y a pas de divorce. No separation. Pas de séparation. Because the vow was unto death. Parce que le vœu était jusqu'à ce que la mort. A successful marriage. Un mariage en succès. Requires falling in love many times. Exige de tomber amoureux plusieurs fois. Always with the same person. Toujours avec la même personne. Today I love you. Aujourd'hui je t'aime. Tomorrow I love you. Demain je t'aime. No. Tomorrow I love you more than yesterday. Demain je t'aime plus que hier. After tomorrow I love you more than the previous two days. Demain je t'aime plus que le jour précédent qui vient avant. The older you get, plus vieux que vous éteignez, you cannot even family relationship like you used to do. Vous ne pouvez même pas avoir une relation de famille que vous aviez l'habitude but d'avoir. But that love still increases. Mais cet amour continue de grandir. That's the mystery of marriage. C'est le mystère du mariage. Why do you continue to love her? Pourquoi tu continues à l'aimer? Why do you continue to love him? Pourquoi tu continues à l'aimer? He has no more money. Quand il n'a plus d'argent. There is no more sex. Il n'y a plus de sexe. But what is make you love her mais more? Mais qu'est-ce qui te pousse à l'aimer encore that's plus? That's the mystery of marriage. C'est le mystère du mariage. Marriage is a mystery. Le mariage c'est un mystère. And us as message believers. Et nous comme le croyant du message. We have to be conscious. Nous devons être conscients. And build that daily that relationship. Et construire quotidiennement cette relation. Never lie to your ne wife. Jamais mentir never à votre lie coup. To your husband. Ne jamais mentir never à votre make épouse. Any misrepresentation. N'essayez pas de vous faire l'hypocrisie. But always mais toujours be transparent. Soyez transparent. Because one plus one parce que 1 plus 1 is always equal est one. Toujours égal à 1. And never use a bad language. Et n'essayez pas d'utiliser un mauvais langage. I am the one providing for your life. Je suis celui qui pourvoit pour ta vie. No. Non. That's not a Christian language. Ça, ce n'est pas un langage chrétien. Amen. Amen. So, ainsi, next slide. Happiness in marriage. Le bonheur dans le mariage. Branham said. Branham dit. In life story. Dans l'histoire de ma vie. After all. Après tout. Happiness le bonheur does not consist of how much money of how much of the world's good you own. Ne consiste pas au nombre de biens de ce monde que vous possédez. But how content mais, you are with the portion that allotted to you. Mais dans la satisfaction de la portion qui vous est allouée. That's happiness in marriage. C'est ça le bonheur. Don't you think that more money is going to bring happiness? Ne pensez pas que plus d'argent va apporter le bonheur. Bill Gates has built a lot of money over 27 years. Bill Gates a fait beaucoup d'argent pour ses doutes et ses années. But after 27 years, mais après 27 ans, he was forced to share it with Melinda. Il était forcé à partager cet argent avec Melinda Gates. And give some to the lawyers. Et donner certains aux avocats. Brother, the little money God has given to us. Frère, le peu d'argent que Dieu nous a donné. We have nothing to give to any judge. Nous n'avons rien à donner à aucun juge ou à but aucun what avocat. We got, what we got, ce que nous avons, let us support missionary work. Soutenons l'œuvre missionnaire. Support our local churches. Soutenons notre église locale. And the judge, et les juges, if it was only for you and I, si c'était seulement pour vous et moi, the judge, the divorce judges, les cours de divorce, will go out of business. Ils vont fermer. Let us put them out of business. Fermons leurs entreprises. Proverbe 17:1. Proverbe 17:1. Better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. Mieux vaut un morceau sec et la paix. Mieux vaut un morceau sec et la paix qu'une maison pleine de viande, de sacrifices et de querelles. We suppose to have in peace in our home. Nous sommes censés avoir la paix dans nos maisons. Husband and wife, l'homme et la femme, good communication, une bonne communication, peace, la paix. You don't eat, tu ne manges but pas, you are healthy. Mais tu es en bonne santé. But you have all the things, tu as tout ça with a lot of strife, avec beaucoup de disputes. You know what is next? Vous savez ce qui vient après? Hard blood pressure. Il y a maintenant la tension qui monte. Because the nerves are not parce in que place. Les veines ne sont pas en paix. The word you said, les paroles que vous prononcez, what you do, ce que vous faites.
Proverbes 15. Proverbes 15. 16 to 17. Proverbes 15, 16 à 17. Better is little with the fear of the Lord. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel than great treasure qu'un grand trésor and trouble therewith avec du trouble. Better is a dinner of herbs mieux vaut un repas d'herbe where love is et de l'amour than a stalled ox and hatred therewith qu'un bœuf engraissé et de la haine. Hatred between husband and wife la haine entre l'homme et la femme. Crime being made un crime déjà accompli. Husband killing the wife. L'homme qui tue la femme. The wife killing the husband. L'homme, la femme qui tue l'homme. And before you go sleep. Et avant que vous dormiez. You have to remove all the dangerous knives in the house. Tu dois t'assurer que tu enlèves toutes ces choses dangereuses, tranchantes, les couteaux, ainsi de suite. Which kind of life is? Quel genre de vie? And tomorrow. Et demain, oh brother, praise God. Oh frère, que Dieu soit loué. We are in the message. Nous sommes dans le message. God is great. Dieu est grand. God is wonderful. Dieu est merveilleux. You are cursing to yourself. Tu es en train de te mentir. You lying to yourself. And also, et aussi, happiness in marriage. Le bonheur dans le mariage. Don't forget anniversaries. N'oubliez pas des anniversaires. Brother Branham. Frère Branham. He talk always. Il disait toujours. October 23rd. Octobre 23 octobre. Anniversary. L'anniversaire de mariage. Vous les couples. You are the couple. When is your anniversary? Quand est-ce que vous vous êtes marié votre anniversaire de mariage? Do you even acknowledge it to one another? Est-ce que vous vous reconnaissez, vous en parlez l'un à l'autre? Let this meeting. Et ce réunion. On families. Sur la famille. Give you the inspiration. Vous donne des inspirations. Brother Branham, Frère Branham, every year, chaque année, anniversary, l'anniversaire de mariage, anniversary, anniversaire de mariage, anniversary, anniversaire de mariage. You renew your vows. Vous renouvelez vos vœux. Since you get married, depuis que vous vous êtes marié, you never even renew your marriage vow. Vous n'avez même pas renouvelé vos vœux de mariage. When one want to do it, quand l'autre veut le faire, the way you do to me. La manière dont tu me traites, I'm not going to do it. Just do it with the pastor. Troubled families. Des familles en trouble. But I exhort you. Mais je suis en train de vous exhorter. Little things. Sur ces petites choses. Remember those things. Rappelez-vous de cela. And do something. Et faites-en quelque chose. Next slide. Also. Aussi. The best remedy. Un bon remède. Find the real balance in everything between the two of you. Et trouver un bon équilibre dans parmi vous, entre vous deux. In money management. Dans la manière dont vous gérez l'argent. A spender and a saver. Celui qui épargne et celui qui dépense. Find the right balance. Trouver un bon équilibre. In sexual relationship. Dans les relations sexuelles. Because we have different appetites. Parce que nous avons des appétits différents. Even when we eat at the table. Même quand nous mangeons sur la table. They put the same quantity of rice. On met la même quantité de riz. But what I'm taking. Ce que je prends. With what the brother Junior takes. Et ce que frère Junior prend. It's different. C'est différent. We have different appetites. Nous avons des appétits différents. Even in our relations, sexual relationship. Même dans nos relations sexuelles. We can have different appetites. Nous pouvons avoir des appétits différents. But. Mais. Let us find a balance. Mais trouvons un équilibre. Next. Couple to. No, that's still on that one. Go back. Couple to control their money and finances. Les couples devraient contrôler leur argent et leurs finances. Instead of being controlled by money and finances. Au lieu que l'argent ou les finances les contrôlent. Brothers, sisters, frères et sœurs, as you go, pendant que vous partez, make an objective. Faites un objectif, honey, chérie. We have to control the money God has given to nous us. Nous devons gérer bien l'argent que Dieu nous a donné. We don't want this money to disturb us anymore. Nous ne voulons plus que cet argent nous dérange. Those little fights we have. Ces petites batailles, luttes que nous avons. Over tax refund. Sur les taxes. Refund. Les taxes de remboursement de la taxe. Over stimulus money. Sur les stimulus. We have to take control of. Nous devons gérer, contrôler ces choses. The paycheck we bring. Quand nous recevons la fiche de paye. We have to take control of. Nous devons contrôler ces choses.
Respect and obey the word of God. Respectez, obéissez la parole de Dieu. Ephesians. Ephésiens. Address the place of the woman. Et est en train de placer la femme. And the place of the man. Et la place de l'homme. Submission. La soumission. And love. Et l'amour. And pray. Et la prière. And pray between husband and wife. Et la prière entre l'homme et la femme. Is gonna make the family stronger. Va rendre la famille forte. On the right, it's like a pyramid. Et à droite, il y a comme la pyramide. Husband and wife. L'homme et la femme. The word said, the closer you both become to God. Et le mot dit, plus vous vous rapprochez de Dieu, the closer you become to one another. Plus vous vous rapprochez l'un à l'autre. The pyramid is going higher. La pyramide est en train de monter. The husband going toward God. L'homme se rapproche de Dieu. The wife going toward God. La femme se rapproche aussi de Dieu. And the closer you are going, et plus vous vous montez, the closer you are to one another. Et plus vous vous rapprochez l'un à l'autre, you understand better one vous another. Vous comprenez mieux l'un à l'autre. You forgive better vous one vous another. Vous pardonnez mieux l'un à l'autre. Etc. Ainsi de suite. Last slide. Dernière présentation. Put God first in everything. Mettez Dieu en premier dans chaque chose. You know what is causing the trouble in the families? Vous savez ce qui cause des troubles dans les familles? We are trying to find the solution outside. Nous essayons de trouver la solution ailleurs. The solution must be in us. La solution doit déjà être en nous. First solution. La première solution. Malachi 3. Malachi 3. Verse 9. Verset 9. Ye are cursed with a curse. Vous êtes maudits par une malédiction. For ye have robbed me. Parce que vous m'avez volé. There are couples, they never pay their tithes and offerings. Il y a des couples, ils ne payent jamais leurs dîmes et les offrandes. And they think they are hurting the pastor. Ils pensent qu'ils font du mal au pasteur. Or they are hurting God. Ou ils font du mal à God Dieu. God is not broke. Dieu n'est pas fauché. He said, il dit, gold and silver belongs to me. L'or et l'argent m'appartient. God is just asking what belongs to him. Dieu demande que ce qui lui appartient. Now, maintenant, you have husband and wife. Tu as l'homme et la femme. Like iron and clay. Et comme le fer et l'argile. And they fight all the time. Ils se battent tout le temps. Oh, she is wrong. Oh, c'est lui qui a tort. Oh, she is wrong. Elle a tort. But in the sight of God, mais devant Dieu, as long as you never pay your tithes and offering, tant que vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes, vous êtes maudit. Because of that curse, à cause de cette malédiction, that's why the other person is hurting you. Voilà pourquoi l'autre and te fait you du are mal. Hurting the other et person. Toi, tu fais du mal à l'autre. And the devil is et le diable just happy. Est en train de frotter ses mains. Il est content. That's the secret. C'est le secret. Don't be like Ananias and Sapphira. Ne soyez pas comme Ananias et Sapphira. But the wife must help the husband. La femme doit aider son mari. And vice versa. Et vice versa. The little money you get. Le peu d'argent que vous recevez. The first question. La première question. Honey, chérie, did we pay tithe? Avons-nous payé notre dîme? Oh, they don't pay tithe on stimulus. Oh non, on paye pas la dîme sur le stimulus. Well, let the pastor show us a quote. Que le pasteur nous montre l'écriture. The only quote I know. La seule écriture que je connais. Brother Branham said. Dit, Abraham paid the tithe of all. Abraham a payé la dîme de tout. Abraham never received a stimulus. Abraham n'a jamais reçu un paye de stimulus. Cow tithe. Il prend la vache, il paye sa dîme. Bull tithe. Oh, le taureau, il paye sa dîme. Everything. Tout ce qu'il avait. But you, the child of Abraham. Mais toi, fils d'Abraham. What is your status? C'est quoi votre statut? And we have a lot of problems in the family. Et nous avons beaucoup de problèmes dans la famille. Husband and wife fighting all the time. L'homme et la femme, c'est qui se dispute Let tout le temps. Let me give you this message. Laissez-moi vous dire ce message. Solve your tithe problem. Résolvez votre problème de dîmes. And offerings. Et des offrandes. God is going to restore your family. Dieu va restaurer vos familles. How God will help you? Comment Dieu va vous aider? How God is going to bless you? Comment Dieu va vous bénir? When the Bible said, quand la Bible dit, when you rob God, quand vous volez Dieu, you are cursed with a curse. Vous êtes maudit par une malédiction. That's what is happening in the family. C'est ce qui arrive dans les familles. That fight you have all the time. Les disputes que vous avez tout le temps. Is the consequences. Ce sont les conséquences. Of not being obedient to God. De ne pas être obéissant à Your Dieu. Your financial management. Vos façons dont vous gérez l'argent. Is poor. Est très pauvre.
Somebody robbing God, quelqu'un qui vole Dieu, and you expect God to bless your family, et vous attendez que Dieu bénisse you votre famille, expect God to bring peace, vous attendez que Dieu apporte you la expect paix, God to bring your wife into submission, vous attendez à ce que Dieu amène que votre femme vous soit you soumise, expect God to make your husband love you, vous attendez que Dieu fasse que votre mari vous aime, oh, cause la trop. You wait for long. Like the monkey missed the tail. Comme le singe a manqué son sa queue. Like the monkey missed the tail. Comme le singe a manqué sa queue. Brother, this is the secret. Frère, c'est le secret. Pay your tithe. Payez vos dîmes. Put God first. Mettez Dieu en premier. The rest God will take care of. Le reste Dieu prendra soin de you cela. You spend years after years. Vous passez des années après années. Who are you lying to? Tu mens à qui? You are building your own cemetery. Tu es en train de construire ton propre cimetière. Next verse. Haggai 1:6. Haggai 1:6. You earn wages to put into a bag with holes. Vous gagnez pour mettre dans de poches crevassées. You say we are going to open a saving account. Vous dites que nous allons ouvrir un compte d'épargne. That saving account is not gonna last. Ce compte d'épargne ne va pas durer. An emergency will come. Une urgence viendra. And you will have all the damn emergencies. Et vous aurez toujours ces urgences. That saving will be empty. Et c'est l'argent que vous épargnez va finir. You open a Dmart account. Et vous ouvrez votre compte Dmart. That money is gonna disappear in an electronic form. Cet argent va disparaître sous forme électronique. The secret. Le secret. Don't be like Sapphira and Ananias. Ne soyez pas comme Ananias et Sapphira. And the last verse. Et dernier verset. Haggai 2:8. Haggai 2:8. God said. Dieu dit. Silver is mine. L'argent m'appartient. And the gold is mine, et l'or say est the à Lord moi, of hosts. Dit l'Éternel des armées. God is not begging you for your money. Dieu n'est pas en train de vous you demander l'argent. You will never give 1 million to God. Vous pouvez même donner 1 million à Dieu. You cannot even give 1 million. Tu ne peux même God. Pas donner 1 million à Dieu. God is not broke. Dieu n'est pas when fauché. When he says money is silver is mine. Il dit l'or et l'argent m'appartient. He has an amount that can never finish. Il a un montant qui ne finira jamais. Don't you think like those tithes you are paying ne offering is going to make God richer than before? The tithe and your tithe and offering. Vous les dîmes que les offrandes que vous donnez. Is not going to make God richer than before. Il ne va pas rendre Dieu riche plus qu'avant. He is still God rich in mercy and in money and gold. Il est Dieu qui est riche en miséricorde et à l'argent et l'or. You are the one who needs His favor. Tu es celui qui demande sa faveur, qui exige sa faveur. Amen. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. This is what God has put in my heart. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. If we can go to the first slide in closing. Si nous pouvons rentrer à la première présentation pour clôturer. I think the 1, 2, 3, 4, 5. We go to the 5, the fifth slide. You know, really, what is killing families? Réellement, ce qui détruit les familles is money. C'est l'argent. I'll go to the fifth slide. Cinquième présentation. Just to tell the people what will be the next topic. No, next. Juste pour dire aux gens ce qui sera. Next. Prochaine, next. Prochaine. Yes. We were at the top reasons of divorce or problem in marriages. Nous étions dans les problèmes majeurs des divorces ou des problèmes dans les mariages. We had for the local church the meeting with lack of transparency. Pour l'église locale, nous avions des réunions sur le manque de transparence. And the next meeting, we talk about sexual relationship et in marriage. Et l'autre réunion, nous avons parlé des relations sexuelles dans les mariages. As one of the causes. Comme une des raisons. And the last recent meeting, et la dernière récente réunion, it was on communication and argument. C'était sur la communication et les disputes. So because the speaker I was expecting could not come. Parce que l'orateur que j'attendais ne pouvait pas y arriver, venir. That's what I
prefer to cover with money and finances. Voilà pourquoi j'ai préféré couvrir l'argent et les finances. So you see the long list of topics. Vous voyez maintenant une longue liste de sujets. Whenever God will give us time, peu importe quand Dieu va nous donner le temps, we will continue to cover them. Nous allons continuer à couvrir ces sujets. And if you really take those little things we are saying like that, et si vous prenez ces choses que nous disons comme cela, I believe that God is going to improve our families. Et je crois que Dieu va améliorer nos familles. Our relationship. Nos relations. Brother, sister, frères et sœurs, don't you just listen and go forget. N'écoutez pas seulement et rentrez à la maison oublié. It's taking a lot of work, a lot of time to get these things. Ça exige beaucoup de temps, beaucoup de travail pour arriver à ceci. Let it be for your benefit. Que cela soit pour votre avantage, votre bénéfice. May God bless you as we stand. Pendant que nous nous levons. Pastor Mathieu, if you can dismiss us with a word of prayer. Si tu peux nous congédier avec un mot de prière. Yeah, give him the mic. Let us bow our heads. Inclinons la tête. Precious Heavenly Father, Précieux Père Céleste, oh, what a time, oh, quel moment, what a glorious time, Lord, quel temps merveilleux, that we could spend together here, Father God, partager ensemble, Père Dieu, and the things that we have heard, les choses que nous avons entendues, things that will have an eternal impact les in our lives. Qui auront un impact éternel dans notre we vie. Give thanks to you, Father nous God, te remercions, Père Dieu, and we give thanks et nous te remercions for the resolutions, pour les résolutions that every heart que chaque cœur has taken a pris after hearing what we have heard. Après avoir entendu ce que nous avons Father, entendu. I pray, Père, je prie, that resolution que ces résolutions will be sera carried out, Lord, sera mise en exécution, and how that the Holy Spirit would bless it, et Lord. Comment le Saint-Esprit va bénir. We want to be changed. Nous voulons être changés. We want our marriages to change nous for the better. Que nos mariages soient changés pour le meilleur. Lord, we thank you for your oh, servant. Dieu, nous te remercions pour ton serviteur. And as he said it, Lord, et comme il l'a dit, the amount of hours, prayer, and that he spent il a passé to put all this together, pour Father. Rassembler toutes ces choses. Oh Lord, may it oh not Dieu, go to waste. Que cela ne soit pas perdu. May there be a great harvest. Que cela qui est une bonne récolte. And Lord, when we meet on the other side, quand nous nous rencontrerons de l'autre côté, may we say, oh Brother Faustin, puisse nous nous dire, oh Frère Faustin, thank you for that service. Merci pour ce service. Thank you for those efforts. Merci pour ces efforts. We are here. Because God used that effort parce que Dieu a utilisé ses efforts and blessed our couple. Et a béni notre couple. Oh, precious Heavenly Father, oh, précieux Père Céleste, we just commit ourselves nous to you, Lord. Nous soumettons à toi. May the Holy Spirit help us. Saint-Esprit nous aide. And these things that we have et heard, ces choses que nous avons entendues, may we also share with others. Puisse-nous partager avec les autres. And may it keep going, Father que God. Cela continue à avancer. And may your bride be edified. Que ton épouse soit édifiée. Now, Lord, maintenant, Seigneur, dismiss us, Lord, with your presence. Congédie-nous dans ta présence. We do not want to leave your presence ever. Nous ne voulons pas laisser quitter ta présence. But just for this temporary place of worship. Mais juste pour ce temple d'adoration. We want to be dismissed with your blessings. Nous voulons être congédiés avec tes bénédictions. And be ready for the next sessions, Lord God. Et s'apprêter pour une nouvelle session. We just commit ourselves to you. Nous remettons complètement à toi. May the great Holy Spirit help those, my Lord, my King, aide Dieu, mon roi, that are ministering to the singles qui seront en train d'apporter le message and all the single brothers and sisters, et tous ces frères célibataires, may they be gloriously edified, qu'ils soient glorieusement édifiés, coming out, Lord, beaming like we are, qu'ils soient briller comme nous, knowing that God has ministered to them, sachant que Dieu les a bénis, and will be careful, my Lord, et qu'ils soient prudents, to give you all the praise and all the honor for everything that's accomplished, pour tout ce qui a été accompli. For we ask it in the name alors, of Jesus Christ. Pour le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. All right, let's give the Lord a hand for this service. Pour le Seigneur. Oh, my. Merci, merci, merci. My Lord. My Lord. So,
So we dismissed. Nous sommes congédiés. For the couple, we will be meeting again, God willing, tomorrow morning. Nous allons nous rencontrer encore, Dieu voulant, demain matin. I want to go join the young people at their banquet. Je vais aller rejoindre les jeunes dans leur banquet. I've collected a lot of questions. Nous avons récolté plus beaucoup de questions. And for the couple, the banquet will be tomorrow eve. Et pour les mariés, le banquet sera demain soir. May God bless you. Que Dieu vous bénisse.